Ces deux directeurs de laboratoire franco-japonais, ils vont parler donc de la situation d'aujourd'hui et puis comment ça s'est passé jusqu'à présent depuis la fondation de CRMS. Et puis Madame Cécile Bride parlera à comment on reloger des gens, comment on faire pour déplacer la population de Fukushima. Il y a un projet, donc elle va en aborder sur cette question. Et puis je résumerai à la fin. Et puis après, si vous avez des questions à leur poser, bon, donc on aura sûrement une vingtaine de minutes pour échanger avec vous. Donc je vous passe d'abord Bruno Charayron pour commencer. Okay, donc bonsoir à tout le monde. Je m'appelle Bruno Charayron. Donc de formation, je suis ingénieur en physique nucléaire, responsable du laboratoire de la CRIRAD. La CRIRAD qui est une association qui a été créée en 1986 suite à la catastrophe de Tchernobyl. CRIRAD, ça veut dire commission de recherche, donc on fait des mesures de radioactivité, commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité. Information, c'est un mot qui est très important, parce que le but de la CRIRAD, justement, c'est de donner aux citoyens des connaissances, une compréhension sur les risques liés à la radioactivité, quelle qu'en soit l'origine, que ce soit la radioactivité naturelle, la radioactivité liée aux activités nucléaires, la radioactivité médicale. L'indépendance de la CRIRAD, le mot indépendance est aussi extrêmement important. C'est en ce sens-là aussi, sur ces deux mots, indépendance et information, que la CRIRAD est très proche du CRMS. Indépendance de l'État, indépendance des pouvoirs publics en général, des industriels, indépendance des partis politiques. Cette indépendance au niveau de la CRIRAD provient en grande partie, essentiellement, du fait que plus d'un tiers de notre budget vient de nos adhérents. Aujourd'hui, on a un peu plus de 7000 adhérents. Vous êtes d'ailleurs dans la pièce nombreux à adhérer à la CRIRAD et je vous en remercie. Donc, Tchernobyl 86, il faut se rappeler qu'à l'époque, l'État français nous a menti, puisque le communiqué du ministère de l'Agriculture en date du 6 mai 86 disait à peu près mot à mot, en raison de son éloignement, le territoire français a été totalement épargné par les retombées consécutives à la catastrophe de Tchernobyl. Ça voulait dire, en France, pas le moindre becquerel. Évidemment, c'était faux. Et un des premiers travaux qu'a fait la CRIRAD avec son laboratoire, c'est de montrer, vous l'avez sur cette carte, que non, la France a bien été touchée par des retombées radioactives de Tchernobyl, en particulier l'est de la France. Vous le voyez sur la carte, de la Corse à l'Alsace, ce sont les retombées en césium-137 en becquerel par mètre carré. Les points rouges, c'est plus de 30 000 becquerels par mètre carré. Et compte tenu de cette contamination à l'époque, de l'air, de la chaîne alimentaire, il aurait fallu prendre des mesures de protection des populations les plus vulnérables, en particulier les enfants, parce que les doses reçues à la thyroïde à l'époque, à cause de l'iode radioactif, les doses ont dans certains cas dépassé largement les limites sanitaires en vigueur à l'époque, et pourtant, l'État français n'a rien fait. Quand est arrivée la catastrophe de Fukushima à partir donc du 11 mars 2011, à la CRIRAD, on a été dans une situation de grande inquiétude, de grande fébrilité, parce qu'on a dû, entre guillemets, gérer ou essayer de gérer à la fois les appels des Français qui nous demandaient ce qui allait arriver sur la France en termes de retombées, est-ce que ça allait être dangereux en France, et à la fois l'urgence d'essayer de transférer un certain nombre d'informations aux citoyens japonais compte tenu de la gravité de ce qui se passait. Dès le 11 mars, donc le tremblement de terre et le tsunami, c'est le 11 mars, et dès le 11 mars, on a fait un mail à nos adhérents qui avaient un mail en les informant du fait que si le refroidissement des réacteurs ne se rétablissait pas, on pouvait aller dans des accidents très importants, des catastrophes, hein, avec fusion du cœur. C'est malheureusement ce qui s'est passé assez rapidement. Donc la CRIRAD a dû et a essayé d'informer au mieux les citoyens japonais à partir de toute une série de communiqués de presse. Vous avez une liste là-dessus. Le 14 mars, par exemple, on a fait un communiqué pour dénoncer la sous-évaluation de la gravité des accidents. On a demandé de rester confiné dans un rayon de 20 à 30 km. Mais rester confiné chez soi, ça a une certaine utilité si les rejets dans l'air ne durent que quelques heures. Si ce sont des rejets qui durent pendant des jours, rapidement, les gaz radioactifs qui sont à l'extérieur ont la même concentration à l'intérieur, parce que vous êtes obligé d'aérer, sinon vous mourrez étouffé. Donc là aussi, des précautions, enfin, pas de précautions, des précautions très insuffisantes.
Vous avez sur cette carte le niveau de retombée en césium-137 officiel publié par le ministère japonais MEXT seulement le 6 mai 2011. Et ces données montrent clairement que la radioactivité était. Les dépôts radioactifs ont été très importants au-delà du cercle de 20 km, au-delà du cercle de 30 km, et là on est à 40-50 km. Et même la ville de Fukushima, ici, qui est à 60 km, a été très touchée par ces retombées radioactives. Donc, bien entendu, il aurait fallu évacuer les populations, non pas en fonction d'un cercle géographique, mais en fonction de la direction des masses d'air contaminées. Deuxième grosse lacune à l'époque, c'est l'absence de distribution de pastilles d'iode. Parmi les substances radioactives rejetées par la centrale de Fukushima, il y avait du césium radioactif, mais il y avait aussi ce fameux iode radioactif, dont l'iode 131, qui, vous le savez, est responsable ensuite d'une augmentation des cancers de la thyroïde, parce que l'iode se fixe sur la glande thyroïde. Pour limiter ces risques de cancer de la thyroïde, on distribue normalement des pastilles d'iode stables pour saturer la glande de façon à ce qu'elle piège moins l'iode qui est présent dans l'air ou dans les aliments. Ça n'a pas été fait. Et lorsqu'on était sur place au mois de mai, on a pu rencontrer des gens qui ont témoigné du fait que, même lorsque certaines personnes, en l'occurrence le maire de la localité de Miaou, a décidé de sa propre initiative de distribuer des pastilles d'iode le 15 mars à sa population, il a été ensuite réprimandé par les autorités parce qu'il n'y avait pas de position nationale et préfectorale sur le fait de distribuer des pastilles d'iode. Enfin, quatrième problème, c'est sur les aliments. Les autorités japonaises n'ont commencé à faire des mesures sur les aliments, semble-t-il, que le 18 mars. Et les premiers résultats qui ont été disponibles sur le site internet japonais faisaient état d'une contamination massive des denrées alimentaires. Des épinards provenant de la préfecture d'Ibaraki, à une centaine de kilomètres au sud de Fukushima, avaient une contamination en iode 131 telle, 54 000 becquerels par kilo, que si un enfant de 2 à 7 ans en mangeait 200 grammes, il dépassait déjà la dose maximale annuelle admissible, qui est de 1 millisievert par an, rien qu'en mangeant 200 grammes d'épinards. Or, cet enfant, en plus, a mangé avant, mange après, respire et subit la radiation qui vient du sol et de l'air. Donc, vous imaginez les doses qu'ont pu subir ces populations. D'autres mesures officielles dans de l'herbe à Itate. Itate, c'est un territoire qui a une quarantaine de kilomètres au nord-ouest de la centrale, dans la partie de cette langue de contamination qui est allée vers le nord-est. Là, les chiffres officiels étaient de 2,5 millions de becquerels par kilo en iode 131. Ce qui est dans l'herbe, on peut imaginer qu'il y a à peu près la même chose sur la végétation comestible qui est autour. On ne voit pas pourquoi ça serait très différent. Ça veut dire que si des gens mangent ces denrées, là, un enfant de 2 à 7 ans qui mange 5 grammes de ces denrées, il dépasse la dose maximale annuelle de 1 millisievert par an. Et par rapport à cette réalité qui était d'une contamination massive, le discours ambiant était plutôt un discours de désinformation du style « si vous consommez ces denrées, vous avez une dose équivalente à un scanner ». Alors, c'est pas faux que si vous mangez quelques denrées, vous avez une dose équivalente à un scanner, mais un scanner, c'est déjà une dose importante, c'est 15-20 millisieverts. Donc, il ne faut pas utiliser des doses que l'on subit pour soigner les gens et qui créent aussi des problèmes à long terme. Il ne faut pas les utiliser pour banaliser l'impact d'une catastrophe nucléaire. Et c'est ce qui a été fait. Donc, pour toutes ces raisons, à la CRIRAD, on a été vraiment à la fois en colère, bouleversé, frustré de voir qu'il se passait au Japon à peu près la même chose que ce qu'on avait subi en France 25 ans auparavant. Pourtant, le Japon est un État moderne, est un État développé. Et de voir que la population japonaise était soumise à de telles doses, à une telle désinformation, c'était vraiment une situation insupportable. Certains pays ont eu une attitude un peu plus prudente. Je vous rappelle par exemple que les États-Unis ont recommandé rapidement à leurs ressortissants de ne pas rester dans la zone des 80 km. Mais dans le même temps, en France, l'IRSN, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, qui dépend de l'État français, a publié le 17 mars une modélisation qui consistait à calculer, deviner les doses qu'allaient subir les enfants au Japon à cause des rejets de Fukushima. Alors ça nous a choqués pour deux raisons. D'abord parce que la catastrophe nucléaire était toujours en cours. Les réacteurs rejetaient de la radioactivité, personne ne savait exactement combien ni quand ça allait s'arrêter. Donc déjà, projeter la dose jusqu'au 20 mars
En partant de chiffres du 17 mars et même d'avant, des chiffres qui ne sont pas forcément fiables, c'est déjà relativement osé. Et en plus, c'était pour aboutir à un calcul selon lequel la dose ne dépasserait pas 50 millisieverts, qui est le seuil d'évacuation immédiate en vigueur. Ça veut dire qu'en gros, si on utilise ces modélisations d'IRSN, ça veut dire que si c'était l'IRSN qui avait dû prendre les décisions, apparemment, ils n'auraient même pas demandé d'évacuer la population. Heureusement, les Japonais ont quand même demandé d'évacuer la population dans un rayon de 20 km. Donc, je vous montre cette modélisation de l'IRSN. Le temps défile, 13 mars, 14 mars, 15 mars. Et les couleurs, c'est la dose que cumule un enfant de 1 an du fait de l'irradiation ambiante. Et vous voyez que toutes les couleurs vont rester en dessous du 50 millisieverts, c'est-à-dire que selon cette modélisation, les enfants ne dépassent pas les 50 millisieverts, ils n'auraient pas à être évacués. Pendant ce temps, en France, assez rapidement, évidemment, les masses radioactives sont arrivées sur notre territoire et on a eu à gérer à la CRAD le fait de donner des informations aux populations qui nous interpellaient sur qu'est-ce qui se passe en France, est-ce qu'il faut rester confiné chez soi, est-ce qu'on peut respirer. Donc oui, on pouvait respirer. Vous avez sur ce graphique à Valence dans la Drôme la quantité d'iode 131 radioactif due à Fukushima. La partie en bas à gauche du graphique, c'est le 26 mars. On ne détecte pas encore cet iode radioactif. On commence à le détecter à la troisième colonne le 28 mars. Et à Valence, le pic intervient le 30 mars. Donc cette contamination de l'air va perdurer, vous le voyez, en tout cas à Valence jusqu'au 20 avril, on continue à détecter des traces d'iode, mais c'est à des niveaux faibles, quelques millibécquerels par mètre cube, qui conduisent à des doses vraiment faibles, qui ne justifiaient pas de dire aux gens, les gens ne peuvent pas arrêter de respirer, mais qui ne justifiaient pas de prendre des pastilles d'iode ou de rester confiné chez soi. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on a subi en France au moment de Tchernobyl. Cette contamination de l'air a donné évidemment par dépôt une contamination légère des denrées alimentaires. Ici, vous avez des mesures sur le lait en Ardèche, du 7 avril au 1er mai. Le vert, c'est le lait de vache, rouge, lait de chèvre et bleu, lait de brebis. Et vous voyez qu'il y a une contamination en iode mesurable, quelques becquerels par kilo frais, dans les mesures, par exemple, du 7 avril. Et ça se détecte encore, en tout cas dans le lait de brebis, jusqu'au 1er mai. Mais là encore, on est dans des niveaux très faibles qui ne justifiaient pas de précautions spécifiques, si ce n'est de dire aux gens, comme toujours, n'abusez pas de certains produits frais, de certains produits laitiers, n'en abusez pas à exprès, puisqu'il y a quand même une contamination, même si elle est très faible. Donc ça, c'était pour la situation en France. Et pour la situation au Japon, parmi l'aide que la CRIRAD a pu apporter aux populations japonaises, il y a une chose qui a été particulièrement efficace, c'est le contact avec M. Wataru Iwata, qui est à ma gauche. On a été mis en contact par un universitaire du CNRS, M. Thierry Ribaud, qui vit au Japon. Donc on a échangé, au début on ne se connaissait pas, on a échangé par mail, et assez rapidement on a vu qu'on arrivait à se comprendre, et la CRIRAD a décidé d'envoyer à l'équipe de Wataru Iwata des appareils que vous voyez en photo. On envoyait plus d'une dizaine de compteurs GGR différents, dont des appareils professionnels, pas des simples compteurs GGR, des appareils vraiment professionnels. Donc il nous l'expliquera plus en détail tout à l'heure. Avec son équipe, il a pu faire des mesures fin avril 2011, et surtout début mai, dans la zone de la préfecture de Fukushima, qui est la plus contaminée. Et ils ont pu faire ça avec les citoyens, avec les parents d'élèves, dans les cours d'école et les crèches. Et puis, vu la gravité de la situation, on a quand même décidé d'envoyer une équipe CRIRAD. Donc on est allé sur place fin mai, début juin. Là, on est en train de commenter les cartes de dépôt en particulier à cette femme qui est à gauche, cette femme qui, cette grand-mère, qui vit dans un territoire qui est entre les 20 et les 30 km, donc elle n'est pas dans la zone d'évacuation permanente des 20 km, pourtant elle a décidé, de sa propre initiative, de ne pas revenir dans sa ferme, parce que sa petite-fille avec laquelle elle vivait a eu des problèmes, des rougeurs, ou à la thyroïde, et elle s'est dit que ça avait peut-être un rapport avec la radioactivité. Et ce qui nous a beaucoup frappé avec Wataru, quand on est allé faire des mesures dans leur propriété, c'est de voir à quel point ça a été important pour elles qu'on leur montre avec des appareils le taux de contamination effectif de leur terre, de leur sol, avec des chiffres qui apparaissent sur un écran.
lui montrer par exemple qu'au pied de la gouttière de la ferme, il y a plus de radioactivité au sol parce que ces becquerels invisibles qui étaient dans l'air sont tombés sur le toit, puis ont coulé et se sont concentrés plus dans la terre au pied de la gouttière. Bien sûr, c'est contaminé partout, mais qu'elle voit elle-même avec le compteur GGR, quand on lui a laissé faire des mesures elle-même, qu'elle voit cette radioactivité invisible, qu'elle arrive à comprendre que c'est là, que c'est dans sa terre, que ça irradie, ça l'a beaucoup aidée. Elle nous a vraiment remercié en disant « J'étais avant dans l'obscurité. » Et le fait que vous veniez tous ensemble faire des mesures chez moi, ça m'aide vraiment à... Je suis maintenant dans la lumière, je comprends ce qui se passe. Et dans son cas, semble-t-il, ça l'a aidée à finalement à se convaincre qu'elle avait raison d'abandonner sa terre. C'est quand même un traumatisme très puissant. Donc ça, en tout cas pour moi, ça m'a vraiment fait comprendre à quel point, je n'avais jamais ressenti à ce point-là, à quel point ce travail de pédagogie qu'on fait à la CRIRA depuis le début, mais à quel point c'est important que les citoyens puissent eux-mêmes faire des mesures et eux-mêmes voir cette radioactivité invisible. Donc Wataou Iwata est en train de discuter là avec elle. Donc pendant cette dizaine de jours au Japon, on a fait des prélèvements ensemble, CRIRAD et l'équipe de Wataou Iwata, prélèvement de sol, analyse, on a amené des appareils pour mesurer la nourriture. Mon collègue Christian Courbon là, est en train de faire des tests, puisque dans l'après-midi, on allait faire un programme de tests gratuits pour les habitants qui pouvaient amener leur nourriture pour la tester. Et on a organisé avec Wataou plusieurs conférences de presse, donc deux à Tokyo, pour témoigner sur le vif de tout ce qu'on avait vu, de tout ce qu'on avait à dénoncer comme situation sur le manque d'informations officielles au Japon. Alors au niveau des taux de radiation, il faut savoir que dès l'atterrissage à l'aéroport de Narita, tout de suite en sortant sur le parking, on a allumé nos compteurs GGR et on a vu tout de suite qu'il y avait une radioactivité anormalement élevée. Et évidemment, plus on montait vers le nord, plus les taux de radiation étaient importants. Là, ce sont des mesures qu'on a fait dans une propriété qui est à 88 km au sud de Fukushima. Tout le terrain, là, et partout, il y a un taux de radiation qui est, disons, 4 fois supérieur à la normale. Et on peut calculer que l'habitant de ce territoire, dans les 12 mois qui suivent, va très probablement dépasser la dose maximale annuelle admissible. Et pourtant, on est à 88 km au sud de la centrale. Ce qu'il faut savoir, c'est que toute dose de radiation augmente les risques de cancer à long terme et d'autres pathologies. C'est la position de la Commission internationale de protection radiologique. Toute dose augmente les risques. Donc il existe une limite de dose maximale annuelle admissible qui est de 1 millisievert par an. Ce n'est pas une dose en dessous de laquelle il n'y a aucun risque, mais c'est une dose au-dessus de laquelle le risque de décès par cancer est jugé socialement inacceptable. C'est en l'occurrence 5 morts par cancer sur 100 000 personnes dans les décennies qui suivent l'exposition. Et les autorités japonaises ont relevé cette limite à 20 millisieverts par an, parce que, évidemment, sinon, il faudrait évacuer des territoires extrêmement étendus. Quand on est arrivé dans la ville de Fukushima, on a mesuré partout, y compris dans la voiture, les rayons gamma traversent le métal du plancher de la voiture, des taux de radiation vraiment dans beaucoup d'endroits de la ville, 300 000 habitants quand même à Fukushima City, des taux de radiation 10 à 20 fois supérieurs à la normale. Et je vais vous montrer une petite vidéo que vous peut-être ressentiez le fait de la puissance de ces radiations invisibles, ces radiations gamma qui sont émises par le césium-134 et le césium-137 qui sont déposés sur le sol. C'est une vidéo qui a été tournée dans un bâtiment de la ville de Fukushima, dans le quartier Watari, qui est un quartier qui a été pas mal contaminé. Je profitais entre guillemets d'une réunion de travail qu'on avait avec Wataru Iwata et d'autres associations pour faire quelques mesures dans ce lieu. Donc l'appareil qui est utilisé, c'est un scintillomètre qui mesure le taux de radiation gamma en coups par seconde. Un coup par seconde, ça veut dire une radiation gamma détectée par l'appareil à chaque seconde. Si on faisait les mesures dans cette pièce, je pense qu'on aurait à peu près 70 coups par seconde. Et là, on va voir les résultats sur l'appareil posé sur le parquet à l'intérieur de ce bureau pendant notre réunion de travail. Vous allez voir qu'au contact du parquet, on a 600 à 700 coups par seconde
sur l'appareil. Donc c'est déjà 10 fois plus que ce qu'on aurait dans cette pièce. Maintenant, si l'appareil, on le soulève à 1 mètre au-dessus du sol, vous allez au-dessus du parquet, vous allez voir que la radioactivité va augmenter parce qu'en s'élevant, l'appareil devient plus soumis aux rayonnements gamma qui viennent du parking extérieur qui est contaminé par le césium. Et ce césium envoie des rayonnements gamma et vous pouvez deviner que s'ils viennent de loin, ils irradient plus en hauteur que le sol, puisqu'ils viennent de derrière nous. Et vous voyez qu'effectivement, à 1 mètre, on a 1000 coups par seconde. Maintenant, on va faire les mêmes mesures en s'approchant de la fenêtre. Le problème, en particulier au Japon, c'est qu'il y a beaucoup de baies vitrées, avec donc des vitres qui ne sont pas très épaisses, beaucoup de cloisons en bois, qui atténuent très peu les radiations gamma qui viennent de l'extérieur. Donc en s'approchant de la fenêtre, le taux de radiation augmente, puisque la radiation vient de l'extérieur. Là, on est à des taux qui vont être de 1300, 1400 coups par seconde. Vous allez voir que le fait d'ouvrir la fenêtre ne va rien changer. C'est-à-dire que le verre de la fenêtre n'atténue pratiquement pas ces puissantes radiations gamma. Les rayons gamma dont on parle, là, ont une énergie qui est, disons, au moins 100 000 fois supérieure à celle d'un rayon lumineux du soleil. Or, tout le monde sait que trop de soleil, c'est des cancers de la peau, c'est du coup de soleil. Ben là, c'est un petit peu le même phénomène. Ce sont des rayons là qui sont par contre invisibles, mais ils sont bien là et ils irradient les personnes. Et si on sort à l'extérieur, c'est encore plus fort, 2000 coups par seconde. Et si on le posait par terre, on aurait même 4000 coups par seconde parce qu'on serait au plus près de ces becquerels de césium qui envoient ces rayons gamma dans l'air ambiant. Maintenant, un dernier petit test. Je vais faire une mesure en revenant à l'intérieur du bâtiment près de la fenêtre, mais en comparant les résultats si je m'interpose entre l'extérieur et l'intérieur. C'est-à-dire, on va voir ce que mon corps va arriver à arrêter comme radiation gamma. Donc si on fait une mesure sans un corps humain entre la source de radiation et l'appareil, on est dans les, vous voyez, 1300, 1400 coups par seconde. Si maintenant on interpose un être humain entre la source de radiation et l'appareil, le niveau va baisser parce que, vous le voyez assez rapidement, on est là à 1000, 1100 coups par seconde, donc on a une chute quand même importante de 300, 400 coups par seconde. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ben, ça veut dire simplement qu'une partie de l'énergie de ces rayonnements gamma est absorbée dans notre organisme. Et c'est ça, les doses et les faibles doses, c'est que ces rayons gamma invisibles mais très puissants créent dans notre corps des interactions, des lésions, des poses de l'énergie qui peuvent créer des lésions dans notre ADN, des mutations, qui peuvent, si elles ne sont pas réparées, aboutir plusieurs décennies, plusieurs années et plusieurs décennies après cette irradiation, aboutir à des cancers. Et c'est toute la difficulté, c'est que, heureusement, les gens ne vont pas mourir de cancer à Fukushima demain. Mais à long terme, ils vont développer des pathologies à cause de cette irradiation. Donc cette radioactivité, on l'a mesurée partout dans la ville. Ici, on fait des mesures dans une école où vous voyez les enfants au fond à l'arrière-plan. Entre les deux bâtiments de l'école, là, on a à 1 mètre du sol 2 microsieverts par heure. C'est plus de 20 fois le taux de radioactivité normal, plus de 20 fois. C'est pareil un peu partout dans cette école. Ici, des mesures près des balançoires. Au pied des balançoires, les enfants ont fait des trous en se balançant. Donc il y a une petite cuvette. Donc quand les becquerels sont tombés par terre, avec les précipitations, ça s'est un petit peu accumulé dans ces cuvettes. Et là, effectivement, la terre au pied des balançoires est un déchet radioactif. On a mesuré 370 000 becquerels par kilo en césium 137 et 134. C'est vraiment un déchet radioactif, mais même pas un déchet très faiblement actif. C'est vraiment un déchet actif qui, en France, irait immédiatement sur un site de stockage de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs. Donc bon, cette situation de Fukushima, de la ville de Fukushima, mais de territoire très vaste, c'est vraiment quelque chose qui est révoltant. Regardez pas tous les chiffres, regardez simplement le dernier en bas à droite. On a fait des calculs à partir de toutes ces mesures qui montrent que pour plusieurs groupes d'habitants de Fukushima, et même pas dans les zones les pires, ils vont recevoir dans les 12 mois, et on était donc en juin, 12 mois après juin de l'année dernière, ils vont recevoir 9 millisieverts, rien que par l'irradiation qui est mesurée dehors et dedans. Parce que même à l'intérieur de leur maison, sur leur tatami, il y a un taux de radiation non négligeable qui vient de l'extérieur. Et cette radioactivité ne va pas baisser rapidement. Je vous demande de regarder juste un seul chiffre. Si
on prend l'exemple de la ville de Fukushima, où les dépôts de césium-137 sont dans des fourchettes entre 100 000, 300 000 becquerels par mètre carré et même plus, à 300 000 becquerels par mètre carré en césium-137, et avec le césium-134 également, on a un taux de radiation théorique de 2 microsieverts par heure à 1 mètre du sol. Si on calcule la façon dont ça va décroître au bout de plusieurs mois et qu'on fait le calcul, par exemple, ramené à la date du 5 novembre 2011, le 5 novembre 2011, on est toujours à 1,8 microsieverts par heure. Ça n'a baissé que de 24%, donc quelques dizaines de pourcents. Donc c'est pour vous donner l'idée qu'aujourd'hui, les mesures dont je vous parlais qu'on a fait il y a un an, aujourd'hui, on a à peu près les mêmes niveaux à quelques 20 ou 30%, sauf si évidemment quelqu'un vient décontaminer, c'est-à-dire enlever cette terre radioactive ou ce toit radioactif. Mais bon, est-ce que c'est possible de décontaminer une ville de 300 000 habitants? Ce qui continue à nous choquer, toujours sur ce dossier, c'est la position des autorités de radioprotection françaises, en tout cas de l'IRSN. Je finirai sur cet exemple. Il y a eu une polémique il y a quelques semaines parce que le Louvre souhaitait envoyer en exposition au Japon des œuvres artistiques. Donc la question qui s'est posée, est-ce que ça va contaminer les œuvres? Est-ce que c'est dangereux? Donc la position de l'IRSN est la suivante. Les mesures effectuées quotidiennement par les autorités japonaises, notamment au niveau des différentes préfectures, montrent depuis plusieurs mois des niveaux de radioactivité ambiante ne présentant pas de risque sanitaire, y compris dans l'essentiel des localités des préfectures du Tohoku, à l'exception des zones contaminées proches de la centrale. La population vit donc dans des conditions normales dans les villes où les œuvres sont exposées. Et dans la liste des villes, il y a Fukushima City. Si vivre dans un endroit où on a des taux de radiation 5, 10, 20 fois supérieurs à la normale, c'est des conditions normales, alors là, franchement, je ne sais pas ce qu'il faut attendre comme catastrophe. Donc, pour la partie clirate, je vais m'arrêter là. Je vais passer la parole à M. Iwata. Donc, Iwata Wataru, il va parler, il est parfaitement capable de parler en anglais. Ce matin, à la conférence de presse, ils ont travaillé tous les deux de français en anglais, de l'anglais en français. Mais comme il est un peu fatigué, donc ce soir, il va parler en japonais et Madame Satoko Fujimoto qui va traduire ce qu'il va dire. Merci d'être venu aujourd'hui. Ça va être difficile de vous raconter tout ce qui s'est passé pendant un an. Je vais vous raconter donc trois points. Ce qui s'est passé après l'accident, la situation actuelle de Fukushima et puis les problèmes qui vont se poser maintenant. Regardez cette photo. C'est une photo qui a été réalisée par CEREA, une organisation française, pour montrer la contamination de la moitié nord de la planète. Cette carte n'est pas basée sur les mesures qui ont été faites en réel, mais c'est un calcul, c'est une image, c'est pour vous donner une image. Il y a eu le 11 mars, il y a eu le séisme, le 12 mars, l'explosion nucléaire,
la zone de restriction qui était au début limitée à 3 km s'est élargie à 5 km, ensuite à 10 et ensuite 20 et ça s'arrête là. 20 キロから30キロは屋内避難となりますが、この半径30キロから外には何の対策も特に打たれませんでした。Et pour la zone de 20 à 30 km, il y a eu le consigne de rester à la maison, mais en dehors de 30 km, aucune mesure n'a été prise. 自衛隊は100キロ圏から避難をしました。住民たちを。L'armée de défense a quitté la zone de 100 km en laissant les habitants sur place. その代わりに福島に来たのは100ミリシーベルト以下では問題はないという科学者と専門家です。À la place de l'armée de défense, ceux qui sont venus, ce sont des scientifiques, des spécialistes, donc qui sont déplacés exprès à Fukushima pour dire qu'il n'y aura aucun problème.En dessous de 100 millisieverts. これが現在の汚染マップなんですけども、これは規制を考慮したものです。Voici la carte de contamination actuelle. Elle prend en compte de géographie. ここが原発。Donc ça c'est la centrale. 北西の方角に向かってプルームは伸びて、放射性部門、放射能部門は伸びます。Donc là, le nuage radioactif va vers le nord-ouest de la centrale. ちょうどここが福島市60キロ原発から離れていて私たちが活動をメインに行っている場所です。Et voici la ville de Fukushima, loin de 60 km de la centrale, et c'est là où nous travaillons avec notre organisation. 15、16、17と3号機の爆発の後に通った放射能部門。それが雨、雪によって、現在の汚染がほぼ確定されました。Du 15 mars au 17, il y a eu l'explosion du troisième réacteur et suite à la pluie, avec la pluie et les nuages, les retombées, les becquerels sont tombés sur terre et ça s'est figé.こうした北回りの、プルームの行方と別に南回りのものも、確認されていますが、また別にも他にプルームの経路というのがあったんですけども、すべてが現在明らかになっているわけではありません。En fait, on ne sait pas non plus tout, encore aujourd'hui, à part le nuage qui est parti vers le nord-ouest, il y a eu encore un autre nuage qui est parti vers le sud, mais on ne sait pas plus.私は友人たちと共に宮城の、津波の被害のあった場所にボランティアに入った後、福島県の、二本松市というところで、用土剤を渡してくれと頼まれまして、そこで、まあ、測定器を持っていたので、線量を確認することができました。Alors, après le séisme, je suis allée dans le département de Miyagi pour faire des activités bénévolat dans la zone touchée par le tsunami. Et ensuite, je suis passée à la ville de Nihonmatsu dans la préfecture de Fukushima. Et comme j'avais sur moi un compteur GIGR, on m'a demandé de prendre des mesures. Et on m'a aussi demandé de distribuer les pastilles iodées.普通のレストランで私たちは 3.5 マイクロシーベルトパーアワーという、まあ、尋常ではない数値を確認できたんですけども、55キロ離れた山の本松市では普通に人々は選抜してレストランで食事をしてコーヒーを飲んでいるような状況、とてもいいような状況になりました。Donc avec mon compteur GIGR, ce qui a été mesuré, c'était le chiffre donc 3,5 microsieverts par heure.Pourtant, cette ville de Nihonmatsu est loin de 55 km de la centrale. Et les gens, nous, on était dans un restaurant en train de boire un café et manger, et ça m'a paru très étrange. それがきっかけとなって、まず測定を行おうというアイディアが思い浮かびますが、これ準備するのに1ヶ月かかります。測定器が手に入らなかった。
Alors, c'est là où j'ai eu l'idée de prendre des mesures de partout, mais il a fallu un mois pour mettre en place cette idée, puisque nous n'avons pas eu d'appel. Nihon, Amérique, Deutsch, France, et il y a des distributeurs Nous avons demandé donc des distributeurs japonais, américains, français, allemands, mais nous n'avons pas été trouvés. Et France, ni il y a des gens qui ont été trouvés, qui ont été trouvés, qui ont été trouvés, qui ont été trouvés. J'ai donc demandé à un ami qui habite en France de nous apporter des appareils, de nous chercher des appareils de mesure, et c'est cet ami qui nous a présenté Krilat. Krilat, から maze 2つの専門的な測定器と、あとは10台の簡易的な測定、そしてそうした測定器を使うための使い方のビデオを作成して我々に送ってくれました。Krilat nous a offert 12 appareils spécialisés et 10 appareils les plus simples et une vidéo de manuel pour nous apprendre comment s'en servir. C'est à la fin avril que je suis entrée dans la préfecture de Fukushima et l'ambiance était exactement comme l'ambiance m'a rappelé l'ambiance de guerre. Dans les communautés, différentes communautés de Fukushima, il était impossible même de parler de la radioactivité ou du nucléaire puisque cela empêche de la reconstruction. Et dans cette ambiance, c'est dans cette ambiance-là que les jeunes parents, donc père et mère tout à fait ordinaires qui sont à Fukushima, inquiets des influences de la radioactivité, qui se lèvent. Et qui monte une organisation appelée Kodomo Fukushima, l'organisation de la protection des enfants de la radioactivité, et le 1er mai. いくつかの作業グループができて、その中の、まあ、作業グループの中には避難、あとは防護、そして除染、そして測定。で、私たちは測定の作業グループと一緒に測定活動を始めました。Il y a plusieurs groupes de travail dans cette organisation de Kodomo Fukushima. Donc, il y a un groupe qui s'occupe de l'évacuation des habitants, du déménagement des habitants, et un autre groupe qui s'occupe de la radioprotection, et un autre groupe qui s'occupe de la décontamination, et une autre donc, qui s'occupe des prises de mesures. Et nous avons expliqué aux gens de comment utiliser ces 10 appareils simples offerts par Krilat pour qu'ils se s'en servent eux-mêmes. そして、彼らは特別なアクティビストではありません。普通のお父さんお母さんたちです。そうした方たちと一緒にこうやって小学校、中学校を測定しています。Donc, ce ne sont pas des militants ou des activistes, ce sont des parents tout à fait ordinaires et c'est avec ces personnes-là que nous sommes partis prendre des mesures dans les crèches, l'école maternelle, l'école primaire, dans les collèges. À cette époque, les crèches, les enfants qui sont dans les crèches, les élèves d'école primaire n'avaient pas le droit de sortir dehors, de s'amuser dehors. Par contre, au collège et au lycée, ils s'apprêtaient à sortir les élèves, donc de suivre les cours de sport
des activités de club après cours. 測定しながらこうしたお父さんお母さんたちと先生たちの会話の中で、給食、例えば給食なんか食品がコントロールされて、全くコントロールされてないことを知りました。C'est au cours de conversation avec les travailleurs de ces écoles des parents que nous avons compris que les ingrédients utilisés dans les cantines servis aux enfants ne sont pas du tout contrôlés. 全くとは言い過ぎかもしれません。C'est peut-être trop de dire que ce n'était pas du tout contrôlé, mais en tout cas, les contrôles ne satisfaisaient pas les consommateurs. Le problème des normes de l'époque, c'est qu'ils ont imposé le taux maximum de 20 millisieverts aux enfants. Et dans d'autres régions au Japon, ils ont maintenu la norme initiale à 1600箇所の小中学校あるいは保育園の調査の後、 C'est après avoir pris les mesures de 1600 écoles primaires et crèches que les autorités ont fixé le seuil de 20 millisieverts. その頃ですね、食品についてのコントロールをする必要があると、5月の末に日本での調査を決めていたクリラットの方に食品のコントロールのできるものを持ってきてくれないかと。 Comme Clirad avait prévu la visite au Japon à la fin mai, nous avons demandé ne pouvait pas apporter quelque chose qui permettait de contrôler les aliments. Et nous avons organisé la première manifestation le 28 mai à la ville de Fukushima avec les appareils apportés par Kirad. Donc nous avons eu des conférences, des débats, des conférences de presse et quelques manifestations avec Donc vous voyez Bruno de Clirad sur cette photo en train de questionner, la photo a été changée, en train de questionner. Après la conférence de presse de la ville de Fukushima, il y a eu une autre conférence régulière de presse de TEPCO, donc Bruno est en train d'interroger un des personnels de TEPCO. Après les recherches communes avec Clirad, vers début juin, nous sommes installés dans un bureau à Fukushima pour commencer nos activités actuelles. 食品のその汚染のコントロールだけではなくて、こうして食品の汚染について知りたいと思っている方たちに実際に測定の仕方を伝えたりして、そのリスクについてもコミュニケーションしてきました。 Non seulement de contrôler la contamination des nourritures, nous transmettons également les moyens, les méthodes de prise de mesure aux personnes désireuses. 私たちは多くの有機農家の方たちと仕事をしていますけれども、
nous travaillons souvent avec des agriculteurs bio. Et ils s'occupent actuellement de CRMS, CRMS à la ville de Nihonmatsu. CRMS, 去年1年で福島県内に9カ所と東京に1カ所測定所を設けました。En un an, nous avons réussi à ouvrir 9 centres de prise de mesure dans le département de Fukushima et un centre de mesure à Tokyo. クリラットの技術的なサポート、そしてチェルノブイリを支援してきたさまざまな市民団体が福島のために集めた寄付でもって測定器を買い入れて、そして測定所を作っています。Avec le support technique du CRAD et les dons venant de plusieurs organisations soutenant Tchernobyl, les victimes de Tchernobyl, nous avons réussi à ouvrir tous ces bureaux. まあ、これがあの福島県内の9カ所と東京の1カ所の図なんですけども、まあ、これは日本語C'est en japonais, mais vous voyez que nous avons 9 centres de mesure, et puis dans la préfecture de Fukushima, et puis un autre à Tokyo. それぞれは、まあ、独立したあの別々の市民グループ、あるいは有機農家のグループ、そうした人たちによって別々です。Chaque centre est indépendant. C'est géré soit par des agriculteurs bio ou des citoyens.測定所なのでもちろん測定は行うんですけれども測定だけではなくて総合的な放射線防護というのを目指しています。Comme c'est, ce sont des centres de prise de mesure, bon, on prend des mesures, mais non seulement la prise de mesure, mais nous essayons de nous occuper de la radioprotection d'une manière générale. 住んでいる場所の線量測定。Donc, on prend les mesures des lieux d'habitation.食品のコントロール。コントロールで、ノルチュー。そして知識を得るためのシンポジウムや講演会や会議。オーガニゼーションでシンポジウム、でデバー、でコンフェランス、pour acquérir des connaissances。健康を維持するための、健康相談、健康相談会や。オーガニゼーションで、consultation sur la santé pour maintenir la santé des habitants. Pour le body counter での体内の線の測定を行う。Et puis la prise de mesure avec l'appareil pour le body counter. でこれは福島市内の入り口から見てもらったところです。C'est le centre de c'est l'entrée de du centre Fukushima. ほとんどが福島。もともと福島の方たちがメンバー、スタッフとして参加しています。La plupart du personnel travaillant dans ce centre sont des habitants depuis toujours de la ville de Fukushima. これが食品をコントロールするための、測定器で。Voici les appareils pour mesurer les nourritures. この前の2つは犬や牛の指令か。後ろにあるのはゲルマニウム半導体技術機というシルイキエドゥボンスシンチゲートシンチゲートシンチゲートいや、des appareils qui sont d'un scintillomètre NAI et l'autre au fond mais dans ce qu'on appelle c'est un spectromètre au germanium これがホールボディカウンターの測定を行っていますVoici la pièce dans laquelle on prend les mesures avec l'appareil whole body contour. Whole body contour, ça veut dire un compteur corps entier, c'est-à-dire que la personne s'assoit dans un fauteuil que vous avez vu, et si elle contient, si son corps contient du césium, les rayons gamma sortent du corps de la personne, sont captés par les machines, et ça permet de connaître la contamination en césium, en particulier du corps de la personne.申し訳ないんですけども、またちょっと資料の順番を変えてしまったので。これはまず
爆発当時のモニタリングポストによって得られたデータです。Ce sont des données à l'époque de l'explosion sur les postes de contrôle. So, can I speak? So this blue spectrum is 4.5 kilometers west from a nuclear plant, and this is green as 3.8 in red is in 6 kilometers, but it's in north. And we see it's not always coherent. That means the radioactive clouds doesn't spread around in a general way. Donc en fait, sur ce graphique, vous avez trois spectres qui correspondent à trois lieux différents. C'est le spectre gamma, c'est le taux de radiation gamma, plusieurs types de radionucléides, qui est mesuré du 11 mars au 15 mars. Et vous voyez que les niveaux sont très variables selon les endroits et selon les moments. En bleu, c'est à 4,5 km à l'ouest de la centrale, en vert à 3,8 km à l'ouest et en rouge à 6 km au nord. Et ça vous montre bien la variabilité dans l'espace et dans le temps de cette radiation dégagée par la centrale. So you see these two were already dead. Mm. Actually, TEPCO had announced that the those monitoring posts had already dead. Actually, it wasn't. And those data has published recently. En fait, ces données ont été rendues publiques il y a très peu de temps parce qu'à l'époque, TEPCO avait prétendu que du fait du tsunami, ces stations de mesure n'étaient pas opérationnelles, alors qu'elles l'étaient. This is a contamination map. Which was calculated by Speedy in March 12th. Donc c'est une modélisation qui a été faite par un logiciel utilisé par le ministère japonais compétent qui s'appelle, ce système de modélisation s'appelle Speedy. Ce sont les données du 12 mars. March 12th to March 24th. C'est une modélisation qui va du 12 mars au 24 mars. And this calculation was done in March last year, but actually it was published in May. Ce sont des modélisations qui ont été faites en mars de l'année dernière, mais qui n'ont été publiées qu'en mai. You see this yellow line, which shows 100 millisievert for the exposure to the 1-year-old child and on the tree. Oui, ça m'est donné. Donc, la ligne jaune est la frontière à l'intérieur de laquelle, enfin, c'est la frontière de la dose de 100 millisieverts délivrée à cause de l'iode à la thyroïde délivrée pour les enfants de 1 an. This circle is the 30 km radius. Vous voyez le cercle de 30 km. And you see the iodine spread more than. Et vous voyez que bien au-delà même du cercle de 30 km, des doses supérieures à 100 millisieverts à la thyroïde ont été atteintes. And at the same time, there's no 80 or 50 or 20 millisieverts blind on this map. The minimum is 100 millisieverts. Et vous voyez que sur cette carte, il n'y a pas, de modélisation de doses plus faibles comme 20 millisieverts, 30 millisieverts, 50 millisieverts. C'est déjà des doses qui sont très importantes. So the contamination map again. This is the way the group went about the time of 15, 16, 17 of March last year. Fukushima is here. Donc là il vous montre le contour de la préfecture de Fukushima. You can show the city of Fukushima. Okay, and city ça, of Fukushima is right here. Ça c'est la ville de Fukushima. So there's Fukushima prefecture. La situation des réacteurs n'est pas connue avec précision, donc on ne peut pas savoir vraiment d'où viennent de tels écarts dans leurs estimations. We need lots more investigation.
Il nous faut conduire beaucoup plus d'investigations. Ok, the contamination to the ocean, radio, 5,600 have been discharged into the ocean. This figure was estimated by Dr. Kawano from Japan Agency for Marine Health Science. And this figure is 6 times more than the estimation of PEPFAR. Donc, en ce qui concerne l'évaluation des rejets dans l'océan, un chercheur japonais, le Dr. Takeshi Kawano, de l'Agence japonaise pour les sciences de la mer et de la terre, a estimé le rejet total de césium à 5600 térabécquerels. C'est 6 fois plus que l'estimation faite précédemment par TEPCO. So what I mean is, nobody is really clearly understanding about what's happened or what is really happening now. Progress in the investigation to catch the whole view of the impact. Le problème, c'est que personne ne sait vraiment déterminer les rejets effectifs et donc l'impact passé, l'impact présent, c'est très difficile d'établir ces chiffres. This is just an image made down by the US Navy and I don't know what if it's exactly how it was or years. I'm not sure, but what we know is the lot of garbage because of tsunami and earthquake already reached the American continent. Donc c'est une image de modélisation de la dispersion de la contamination en milieu marin faite par la US Navy américaine. Je ne sais pas exactement sur quoi ça s'appuie, mais simplement, on peut rappeler que les débris du tsunami ont déjà atteint les côtes américaines. Let's compare to the Chernobyl case. I know it's a very stupid idea to compare Fukushima Prefecture to a Russian state, Ukraine state, or a Rus state, but this is not my idea, but I show you. Maintenant, je vais vous proposer quelques comparaisons avec la situation autour de Tchernobyl. Je sais bien que ça peut paraître un peu stupide de comparer la situation d'une préfecture comme celle de Fukushima avec des États comme la Russie, l'Ukraine et le Belarus, mais je vais quand même le faire. One third of Fukushima Prefecture is contaminated, greater than 37 kilobecquerels per square meter. Un tiers du territoire de la préfecture de Fukushima est contaminé en césium 137 à un taux qui dépasse 37 000 becquerel par mètre carré. And we can see it's more than the Russian state, Ukraine state, Belarus. And also this without taking into account the population density of Fukushima Prefecture, which is 3 times higher than in Belarus. Actually, at the time of accident, almost around 2 million population have lived in Fukushima. Donc vous voyez que dans le cas de la Russie, la surface contaminée dépassant 37 000 becquerels par mètre carré, c'est 0,3%, l'Ukraine 6%, le Bélarus 14%. Mais je voudrais insister sur 2 points. D'abord, ça ne prend pas en compte le fait que la densité de population de la préfecture de Fukushima, avec 2 millions d'habitants, est 3 fois supérieure à celle du Bélarus. Also, I want to mention that 65% of the land of Fukushima Prefecture is mountain forest, which means people who live, I mean, the lands for inhabitants are very small if we compare to Belarus. Il faut tenir compte au fait, également du fait que sur le territoire de la préfecture de Fukushima, 65% du sol est de nature montagneuse avec des forêts. Ça veut dire que l'espace disponible pour les villes, pour la population, finalement, est assez restreint. C'est un point qu'il faut prendre en considération également. Okay, this table was made down by Honmato Shimizu from Japan Atomic Energy Agency. He showed this table at the expert conference in Fukushima, September 11 to 12. Last year, this conference held with a couple of international organizations like ICRP, ASCIA, IAEA, WHO, and we were already expected to happen those kind of a conference or those
organization come into Fukushima to do such because there was same case in Chernobyl. Donc ce document vous montre une présentation qui a été faite par le docteur Toshimitsu Homma de l'Agence de l'énergie atomique japonaise à une conférence organisée à Fukushima en septembre 2011, organisée par des institutions comme la IEA, l'Organisation mondiale de la santé, la CIPR, l'UNSCARE. C'est sur des réunions où on peut s'attendre à... Did you say some disinformation? C'est des réunions où on peut s'attendre à une certaine sous-estimation de la gravité de la contamination. And so, if you see this chart, comparison between Fukushima and Russia variables, all the figures said that it's much lower than those three countries. Donc en fait, sur ce tableau, chaque colonne donne la quantité de la surface concerné par des dépôts en césium 137, première colonne entre 37 000 et 185 000 becquerels par mètre carré, par exemple. Et en gros, si vous regardez chaque colonne, y compris si vous faites le total des surfaces contaminées, vous voyez que Fukushima, dans ce tableau, apparaît comme ayant une surface contaminée, regardez la dernière colonne, qui est bien moins importante que celle de Russie, du Bélarus ou de l'Ukraine. Next table, down below, table made down by Thierry Weigel from CNRS. He's taking an area, I mean, the surface of the land into account and divide it into it. And so we see that the contamination level are much more close to Belarus in high degree and lower degree, it's much more than Belarus. Donc le tableau du dessous a été préparé par Thierry Ribaud du CNRS. Il s'agit des mêmes chiffres, mais qui sont ramenés cette fois-ci à la surface du territoire concerné. Et vous voyez, on va regarder juste la dernière colonne, par exemple, vous voyez que si on ramène à la surface du territoire, la préfecture de Fukushima a plus de 32% de son territoire qui est contaminé, au-dessus de 37 000 becquerels par mètre carré, alors que ces ratios, c'est 0,3% pour la Russie, 22% pour le Bélarus et 7% pour l'Ukraine. So this is a zoning criteria made in 1991 in Belarus. So 35 kilobecquerels to 185 kilobecquerels. This is right, kind of controlling zone. And 185 to 555. This is a zone that people can have a right to move, which means authority supports the people who want to move. Donc, dans le tableau du dessus, vous avez les critères de gestion des territoires contaminés au Bélarus élaborés en 1991, qui tiennent compte du dépôt de césium 137 exprimé en milliers de becquerels par mètre carré. Première ligne, donc, lorsque la contamination est comprise entre 37 000 becquerels par mètre carré et 185 000 becquerels par mètre carré, c'est une zone qui doit faire l'objet de contrôles de radioactivité réguliers. La deuxième ligne, lorsque la contamination est comprise entre 185 000 et 555 000 becquerels par mètre carré, c'est une zone dans laquelle la population a le droit d'être relogée. And Fukushima City was 60 km from the fence. They are in these first 2 degrees, and no evacuation has been made by those zones. Et justement, la ville de Fukushima, qui est à 60 km de la centrale de Fukushima, est dans des niveaux de contamination qui correspondent aux deux premières lignes, justement. Ça veut dire que si on était au Bélarus, les gens auraient le droit d'être évacués, ce qui n'est pas ce qui se passe à Fukushima aujourd'hui. So this is the Fukushima city again. And Bruno showed you that situation in Watari district. Donc vous avez la ville de Fukushima dans la tache bleu clair, et tout à l'heure Bruno vous a montré ce qui se passe au niveau de la radioactivité dans le quartier de Watari, qui est un des quartiers de la ville de Fukushima. Actually, Watari was set as a recommend to evacuate zone from the central government. En fait, le gouvernement central japonais a quand même
recommandé que le quartier Ouattari, justement, soit une zone... Il y a une recommandation pour que les gens, quand même, évacuent la zone. Et ce n'est qu'une recommandation. But the municipal didn't make any evacuation for Ouattari residents. Mais la municipalité, à son niveau, n'a pas mis en place l'évacuation du quartier de Ouattari. Ok, so this is the report of you. Voilà, donc c'était un aperçu un peu général et peut-être qu'on pourra échanger dans les questions après. Thank you for that. Donc maintenant, c'est Cécile Brice, urbaniste, chercheuse attachée à la maison franco-japonaise de Tokyo. Il y a actuellement un projet de relogement, donc on va aborder ce un petit peu plus bref que les deux présentations qui ont eu lieu avant. Simplement, ce que je vais vous présenter, ce sont les premiers résultats d'une recherche que je suis en train de mener avec Thierry Ribaud, qui est chercheur au CNRS également à la Maison franco-japonaise, et qui vient d'écrire un ouvrage avec Nadine Ribaud qui s'appelle « Les sanctuaires de l'abîme », qui est extrêmement bien documenté à la fois sur ce qui s'est passé au moment des événements, et également sur toute l'action qu'a mis en place l'Observatoire. Donc notre projet de recherche est également soutenu par l'Institut des sciences humaines et sociales du CNRS. Et donc en voici les premiers résultats. Alors, juste pour revenir sur la situation au moment des événements, concernant la destruction totale des habitations, ce n'est pas Fukushima qui a été le plus poussé, mais c'est le département qui avait juste un petit peu au nord. C'est où Ça, c'est le tsunami. Oui, c'est le tsunami. Oui. C'était en même temps. C'est là. Et donc, Fukushima est ici, la centrale est ici, et donc tout ce qui a été essentiellement détruit est au nord, ce qui veut dire que toutes les populations qui recherchent de quoi se reloger vont partir plus dans les régions du sud. Donc, c'est une autre carte qui cette fois montre le nombre de logements endommagés après les événements de mai 2011. Donc la répartition est à peu près semblable. Je ne vais pas vous assommer de chiffres. Simplement gardez bien ça en tête. Et puis on passe maintenant à une carte de la répartition de la radioactivité qui a été cette fois rendue publique par le ministère de la recherche en décembre, mi-décembre 2011, et qui montre, cette fois cette carte concerne une grande partie du Honshu, et ça montre donc, Fukushima est ici, la centrale est ici, Tokyo est ici. Ce qu'il est intéressant de noter dans un premier plan, c'est qu'on n'a aucune donnée sur Tokyo et sur le nord de Tokyo ici. C'est très rassurant. Et donc tout ce qui est en jaune, toute cette petite tache jaune, c'est toute la zone qui a été contaminée au-delà du taux de 1 millisievert qui est donc accepté, reconnu comme dangereux pour la population. Donc ça veut dire,
il ne faut pas minimiser non plus les faits. On a un peu peur que cette carte les minimise au-dessus de la zone de 1 millisievert. Ça peut être 10 fois, 20 fois au-dessus, selon l'endroit dans lequel on se trouve. Ici, vous avez Nikko, une région très touristique où on emmène les enfants ramasser les feuilles pas plus tard que cet automne. Ici, vous avez Tsukuba, qui est un centre de recherche des plus pointus au monde, où l'activité a repris tout à fait normalement, où les parcs pour les enfants sont fermés. Et donc, on continue tout de même d'envoyer des chercheurs venus d'étrangers à Tsukuba, parce qu'en fait, on ne montre pas toute cette information. Ici à Chiba, Chiba c'est tout près de Tokyo, il y a extrêmement contaminé. Et les gens, en fait, par eux-mêmes, prennent la décision de laver leur pavillon. Ça veut dire que tout le monde ne possède pas un compteur GGR. Et c'est donc uniquement les gens qui sont informés de la situation, qui décident de le faire, qui prennent acte, qui le font. Cela dit, tous les légumes de cette région sont vendus ici, au sud de Tokyo. Encore aujourd'hui, tout à fait. Alors, pour ce qui est des mouvements de population, donc la préfecture de Fukushima, elle fait 2 millions d'habitants. La ville de Fukushima fait à peu près 300 000 habitants, comme on vous l'a dit tout à l'heure. Dans toute cette région, qui a été quand même bien dévastée, comme on a pu le voir selon les premières cartes, il y a 150 000 personnes qui se sont déplacées à l'intérieur du département de Fukushima. Ces 150 000 personnes, elles ont déménagé déjà une, deux, trois fois, en famille ou seules. C'est des gens qui, à chaque déménagement, bien sûr, détruisent les liens qu'ils avaient avec leur environnement, leur voisinage, etc. C'est des gens qui, à chaque déménagement, ont un peu plus de chances de détruire également leur famille. Et c'est des gens qui, à chaque déménagement, perdent aussi des biens matériels. En dehors de la commune de Fukushima, il y a 60 000 personnes qui ont trouvé refuge. Là aussi, la situation, enfin, plus on s'éloigne, plus il est difficile pour eux de reprendre pied dans un nouvel environnement, puisque rien n'a été fait, rien n'a été préparé pour qu'ils puissent le faire. Je retourne dans le département de Fukushima uniquement, ici. Donc ici, vous avez la centrale. Et alors ici, c'est pour vous montrer en fait la répartition du nombre de logements provisoires d'urgence qui ont été construits après le tsunami dans le département. Donc on peut voir que le plus grand nombre d'entre eux, 2665, ont été construits juste à côté de la centrale. Et il se trouve que ça a été les premiers à être construits. Donc l'information circulait très 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 mal. Et les gens ont dans un premier temps absolument voulu, enfin ceux qui avaient tout perdu en tous les cas, voulaient absolument sortir des gymnases et des camps dans lesquels ils se trouvaient, parce que c'est quand même pas bien confortable. Et donc, quand on leur a proposé ces logements d'urgence, ils ont tout de suite voulu y habiter. Sauf que maintenant, ils se retrouvent prisonniers d'une situation qu'ils ne maîtrisent plus. Donc, je me suis amusée à superposer la carte du ministère qui nous montre le taux de radiation de radioactivité dans la zone avec l'implantation de ces logements provisoires. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, la plupart d'entre eux sont dans une zone où la radioactivité est supérieure à la norme internationale adoptée. Très concrètement, ça veut dire quoi? C'est ça, en fait. Hein, c'est vraiment provisoire, c'est ça. C'est des petits cubes en tôle. Alors certes, c'est mieux que rien. À l'intérieur, il y a une salle de bain. À l'intérieur, il y a une cuisine et il y a une petite pièce. Cela dit, dans ces régions-là, la moyenne d'âge est de 50 à 60 ans. Ça veut dire qu'il y a
en fait énormément de personnes âgées qui vivent seules dans ces habitats et qui ne peuvent plus sortir. Qui ne peuvent plus sortir parce que le taux de radioactivité, d'une part, est tel que même les gens qui vivent avec des enfants ont peur de laisser leurs enfants jouer dehors. Donc, ils restent renfermés dans ces 25 mètres carrés tout le temps. Ça fait un an que ça dure. Hein. C'est pas une histoire de 15 jours. Et a priori, ça risque de durer encore un petit peu. On avait l'expérience à Kobe, lors du tremblement de terre de Kobe. On savait ce qui s'était passé. Ce qu'on voit, un des messages que j'aimerais faire passer, et c'est la même chose que peut-être Bruno a essayé de faire passer tout à l'heure avec Tchernobyl. Tchernobyl n'a pas servi de leçon pour Fukushima. Eh bien, pour ce qui est des logements provisoires, le tremblement de terre de Kobe n'a pas non plus servi de leçon pour ce tremblement de terre-là, puisqu'on a refait les mêmes logements provisoires avec des mêmes intérêts économiques à l'extérieur. Et moi, le plus gros, le plus important message à faire passer aujourd'hui, certainement, c'est que, par exemple, quand on construit de l'habitat, bon, moi je suis urbaniste, donc c'est la question qui me concerne un petit peu plus, quand on construit de l'habitat, certes, on doit penser aux aspects économiques, mais on doit penser également à des facteurs qui concernent l'environnement, les liens de voisinage, le bien-être, tout simplement, comment on peut, on vit dans un espace qui détermine quand même les liens qu'on a au sein de la famille et avec l'extérieur. Quand on ne retient plus qu'un seul de ces critères, qui est le critère économique, on aboutit à cette boîte de conserve où les gens aujourd'hui meurent un à un. Si aujourd'hui on meurt de Fukushima, c'est pas dans 30 ans que ça va se passer. Certes, le cancer c'est dans 30 ans, mais il y a des effets qui sont là tout de suite maintenant. Je ne sais plus si j'ai mis quelques chiffres. Juste la photo du bas. Ici, là, donc ça vous montre la situation quand il neige. Imaginez-vous une personne de 70, 80 ans dans un endroit où elle n'a qu'une pièce pour s'asseoir. En fait, ils ont la place de mettre un futon. Ils ne peuvent pas plier leur futon et le sortir parce que c'est des gens comme toute personne de 80 ans, donc ils ont absolument plus de place pour bouger. Et ils restent cloîtrés là-dedans. Et comme il y a de la neige, qu'il n'y a pas de rampe pour sortir, etc., ils ont peur de glisser, donc ils ne sortent plus. Donc ça engendre dépression, alcoolisme et un taux de suicide totalement exponentiel. Juste un tout petit exemple, mais c'était juste pour prendre une source qui parle à tout le monde. Aux informations du 8 mars à la NHK, on apprend que 18 personnes vivant seules sont mortes dans ces logements provisoires. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont cumulé à la fois le désarroi qu'on peut avoir quand on vit dans ce type de logement, à la contamination, c'est des gens qu'on a condamnés. Donc le taux de suicide, il est en train d'augmenter dans toutes les classes d'âge, hommes ou femmes. Le taux d'alcoolisme touche essentiellement aujourd'hui les hommes seuls. Et la mort en solitaire touche essentiellement les personnes âgées, que ce soit des hommes ou des femmes. Comme vous l'avez vu, ces maisons étant extrêmement cloîtrées, on retrouve des personnes mortes des semaines après leur décès. Ça, ce sont des petites feuilles que l'on trouve accrochées au grillage de la ville de Fukushima, devant l'endroit où travaille l'équipe du CRMS. Et sur ces feuilles de papier sont inscrits des vœux émis donc par les habitants. On y trouve écrit « Faites que l'on puisse vite rentrer à la maison. Éclat de rire, résonner dans la mer, la montagne et le ciel. Je veux faire du foot dehors. » Ça, c'est il y a 15 jours, 3 semaines. J'ai pris cette photo-là il y a 15 jours, 3 semaines. En
encore une fois, nous, on ne parle pas d'anniversaire. C'est encore là, présent, maintenant. Alors ça, c'est une carte qui vous montre un peu où sont parties ces 60 000 personnes lorsqu'elles ont cherché à se réfugier hors du département. Donc, ça veut dire que ce sont des personnes qui ont pris la décision de tout laisser, qui n'ont généralement, de toute façon, pas de subvention de l'État nécessaire pour reconstruire la vie qu'ils pouvaient avoir avant. Ils ont pris la décision de tout laisser et de se reloger essentiellement ici, à Yamagata et Niigata, qui sont les deux départements les plus proches, dans un espoir certain de pouvoir revenir, pour certains, et pour d'autres, tout simplement parce que, comme le département est proche, ils ont de la famille qui les accueille chez eux. Sinon, l'autre grande partie a cherché à se reloger dans la région de la capitale, Chiba, Tokyo, Kanagawa, Saitama, Gunma. Là-dedans, on a des régions qui font partie des zones qui étaient en jaune tout à l'heure, bien sûr. Et alors, ce qu'il faut noter, c'est que pour les gens qui retrouvent un habitat à Yamagata, Niigata, peut-être ils ont un espoir de trouver des logements avec des superficies encore assez grandes. Vous savez certainement que donc, Fukushima, c'est la campagne, les trois quarts des personnes qui ont été touchées par le séisme et l'explosion de la centrale, etc., étaient des fermiers, donc vivaient dans des très très grandes surfaces, et se retrouvent aujourd'hui sans emploi, avec ou sans leur famille, dans de minuscules appartements qu'ils payent une fortune, alors qu'ils ont, ce sont des gens qui ont investi dans des tracteurs, c'est des investissements lourds, ils laissent tout, n'ont plus rien. Ça, c'est pour vous faire réfléchir sur... Ici, souvent, j'ai entendu la question, on m'a demandé, mais pourquoi les Japonais sont si... Pourquoi ils ne partent pas? C'est si simple, pourquoi ne partent-ils pas? Parce que ce n'est pas si simple que ça. Ça veut dire que derrière eux, ils laissent une bonne partie de leur vie et une bonne partie des investissements qu'ils ont pu faire dans leur vie. Des crédits, oui, aussi. Alors, un faible nombre d'entre eux va plus au nord, vers Hokkaido, où il y a notamment une association qui s'occupe du suivi des réfugiés et leur permet de leur retrouver un logement, les aide à retrouver un emploi également. Ce type d'association, on en trouve également du côté de Nara, au sud. Et puis à Kyushu, à Nara, c'est une femme qui était, avant qui était également dans l'agriculture, qui a été touchée en voyant les événements, qui voulait absolument aider les gens. Donc elle a décidé de créer son association, sa propre association, pour aider toutes les personnes, pour reloger toutes les personnes qui souhaitaient partir de la zone de Fukushima. Et on s'est dit, voilà, eux, ils sont agriculteurs. Moi, j'étais aussi agricultrice. Donc, on va pouvoir s'entendre. Donc, elle a essayé d'utiliser, en fait, elle utilise les fonds du crédit agricole local. Et Nara est une région qui était en train de péricliter. Donc, ce qu'elle propose, c'est un échange avec les gens de la préfecture en leur disant, on va redynamiser votre territoire avec les crédits agricoles. On va reconstruire, et c'est fait, hein, des bâtiments qui fonctionneront essentiellement avec des énergies nouvelles, donc des panneaux solaires, etc., et qui permettent d'accueillir cette fois les familles dans un environnement qui est nettement plus agréable que les logements provisoires que vous avez pu voir tout à l'heure. Et voilà, tout ça fonctionne. Ça fait 2-3 fois que j'évoque le fait que ce sont des associations qui prennent finalement la main sur le refuge de la population. Je suis allée un petit peu, je ne sais plus si je suis en accord avec mes slides.
un gros déficit, puisque ce ne devrait pas, à l'évidence, ça ne devrait pas être les associations de citoyens qui, comme le disait M. Iwata tout à l'heure, ne sont pas des activistes, encore une fois. C'est des gens comme vous et moi qui, le lendemain, ou une semaine, ou trois semaines après l'accident, se sont dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible, on peut pas laisser ça. Il faut absolument agir. Et donc, chacun essaye de faire ce qu'il peut dans son coin. Le public, du côté du secteur public, qu'est-ce qui a été fait concernant le relogement de la population? Le gouvernement a décidé de mettre à disposition des habitants le parc vacant de logements publics. Ce parc était déjà vacant depuis des années. Ça veut dire qu'il s'agit d'un parc extrêmement vétuste, souvent très très éloigné des grandes villes. Vétuste au Japon, ça veut dire vraiment très très sale. Ça veut dire qu'on a des pourritures à l'intérieur des murs, etc. Parce que c'est vraiment pas des endroits où il fait bon vivre. Mais surtout, ces endroits étaient extrêmement éloignés. Donc, il y a eu une faible proposition de logement. Donc, vous voyez 777 à Miyagi, 385 à Fukushima et 654 à Iwate. Ceux-là ont quasiment tous été occupés. Enfin, on a des taux d'occupation qui sont à peu près à 60%. Parce qu'à l'époque, les gens voulaient rester sur place. Par contre, en fait, les grosses masses de logements qui ont été proposées à Osaka, à Hyogo, Hokkaido. Donc là, on a proposé 3000 logements à peu près. On a un taux d'occupation de 10%. Les gens n'ont pas voulu y aller parce que, encore une fois, c'est extrêmement éloigné. Parce qu'on leur dit que le loyer sera gratuit pendant une durée de un an, voire deux ans, mais après, que fait-on ? Donc finalement, ils ont préféré prendre contact en direct avec les gens qui voulaient les aider. Et c'est donc tout le système associatif qui a pris le pas. Alors ce système associatif comprend aujourd'hui 70 associations qui est en train d'essayer de s'organiser en réseau, qui à la fois s'occupe du relogement, on l'a vu, mais également de retrouver des emplois pour ces personnes, ou de la mesure comme c'est pour le cas du CRMS. Par ailleurs, il y a une pression du gouvernement via la préfecture de Fukushima pour fixer la population afin de ne, d'une part, afin de faire en sorte de ne pas avoir un département qui soit complètement désertifié, d'autre part, parce qu'il ne faut pas se cacher les yeux à mon avis, il y a des intérêts aussi internationaux qui font qu'aujourd'hui on nous demande non de faire des recherches sur la situation du refuge, mais de faire des recherches en sciences humaines sur comment peut-on faire pour vivre avec la contamination. Donc, ça veut dire que la problématique est complètement différente. Nous, ce qui nous semble évident aujourd'hui, c'est d'organiser le fait que les populations puissent en tous les cas pouvoir prendre le choix par elles-mêmes, de pouvoir partir ou de pouvoir rester. Mais certainement pas de leur imposer de rester, ni de leur imposer de partir d'ailleurs, parce que la situation doit être variable en fonction des classes d'âge, et surtout, la liberté du choix de chacun doit être respectée. Alors, dans les méthodes de la préfecture pour fixer cette population, j'ai inscrit comme titre un chantage sanitaire. À défaut d'être sanitaire, on propose donc un suivi gratuit. Alors il ne s'agit pas du suivi d'un suivi quotidien, hein. Il s'agit d'un suivi ponctuel sur la situation de la thyroïde, etc.
suite aux événements de Fukushima. Hein, c'est un suivi sanitaire précis. Donc il est gratuit uniquement si l'on réside dans le département de Fukushima. Ça veut dire qu'à partir du moment où l'on cherche à déménager, si on décide donc d'inscrire, de devenir citoyen d'un autre département, eh bien on perd cette gratuité des soins. Par ailleurs, un autre problème engendré, c'est que de toute façon, c'est ce suivi qui est proposé, il y a tellement peu de centres qui proposent ce suivi par rapport au nombre d'enfants de moins de 18 ans qui résident encore à Fukushima, que finalement, ces enfants ne pourraient avoir une visite qu'une fois tous les ans à peu près, parce qu'il n'y a pas suffisamment de turnover. Donc une des associations, qui est l'association dont on parlait tout à l'heure de protection des enfants de Fukushima, essaye aujourd'hui de mettre en place un système pour trouver également une solution à cette situation avec les temples bouddhistes, parce qu'ils sont nombreux, et donc demande à des médecins. Ils sont en train de le faire, hein, ce n'est pas encore établi. Demanderait donc à des médecins de pouvoir faire des visites dans chacun des temps pour que tous les enfants puissent avoir un suivi régulier. Cette personne qui dirige l'association pour la protection des enfants de Fukushima, lui a pris la décision de faire en sorte que sa famille se réfugie dans le sud du Japon, à Kyoto. Et pour ne pas faire perdre ce droit de suivi sanitaire à sa famille, lui reste à Fukushima aussi parce qu'il estime qu'il est important qu'au moins les gens comme lui restent pour continuer à défendre la cause de Fukushima. Cela dit, ils ont un énorme problème aujourd'hui, c'est que la plupart de la population s'en va et également les gens qui les aidaient à fonctionner. Donc ils sont, pour cette association, 700 adhérents, mais finalement, à continuer à travailler sur place, ils ne sont plus que 10. Bien sûr, bénévolement, c'est des gens qui ont cessé toutes leurs activités auparavant, et puis énormément de mères de famille. Quelles sont les raisons qui empêchent la population de prendre la décision du refuge? Il y a dans ces raisons un point que je n'ai pas évoqué tout à l'heure, c'est la pression de la communauté de voisinage. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ça n'est pas un droit, où on ne dit pas aux gens, où il n'y a pas une loi claire qui permette aux gens, s'ils veulent partir, d'avoir un soutien financier, et s'ils veulent rester, de les accompagner de façon sanitaire, etc. Donc à partir du moment où tout ça n'est pas légalisé, eh bien c'est la volonté de chacun qui décide. Et ça veut dire que la communauté, les voisins entre eux, vont exercer une pression sur ceux qui veulent partir parce qu'ils se sentent abandonnés, simplement. Donc en disant à leurs voisins, mais tu ne peux pas nous laisser, pourquoi tu pars? Et nous, qu'est-ce qu'on va faire? Et si tout le monde part, qu'est-ce qu'on va faire? Le village est fini, comment on fait pour continuer? Donc il y a cette pression-là qui est très très forte et très pénible nerveusement, surtout que je vous rappelle donc que c'est sur la durée que ça se passe, et il y a énormément de gens en fait qui sont dépressifs maintenant, énormément, parce que la pression nerveuse est trop forte. Bien sûr, il y a les gens qui ont tout perdu, voire perdu des membres de leur famille, mais aussi simplement de se retrouver dans un étau comme ça, où on ne sait pas quoi faire, où on sait que le danger, a priori, est partout autour, où on élève ses enfants, et où on voit les enfants de ses voisins qu'on a vus naître, etc., partir ou rester, ou en tous les cas, s'ils restent dans des zones qu'on ne sait pas très fiables, et sans savoir si, pour soi, la bonne décision à prendre, c'est de partir ou rester. Ce tiraillement est infernal. Par ailleurs, la perte des ressources, évidemment,
consciemment force les gens, enfin empêche les gens de partir. Si je m'en vais, je perds mon emploi. Si je m'en vais, je perds tous les biens acquis. On en a parlé tout à l'heure, je ne vais pas revenir dessus. Ça veut dire aussi qu'il faut donc tout reconstruire ailleurs. Reconstruire ailleurs, donc pour ce qui est de l'accueil des familles, ce sont encore ces associations qui permettent aux gens de se rencontrer en organisant des petits cafés pour que les nouveaux arrivants rencontrent les autres voisins et puis leur disent des choses simples, hein, simplement comment s'organiser par rapport à leurs enfants, où est l'école, comment ça fonctionne, leur apportant un soutien, leur donnant des objets, puisqu'ils n'ont plus rien. Donc tout ça, c'est toujours les associations qui s'en chargent. Donc reconstruire sa vie matérielle et sa vie sociale. Retrouver un emploi, un logement, on en a parlé, donc c'est les deux facteurs déterminants. Et puis aussi pèse dans la balance du choix les frais liés au suivi sanitaire. Alors, quelles sont les mesures prises par les associations citoyennes? J'ai mis citoyennes parce que je n'ai pas trouvé de mot, mais en fait, c'est des associations d'habitants. Il n'y a pas de mot, c'est tout le monde. Hein. Pour permettre aux populations qui désirent de se réfugier, donc c'est de mettre en place un réseau de familles d'accueil qui accueille les enfants durant des courts séjours. Ça peut être pendant les vacances scolaires, l'été. On sait qu'a priori, le césium s'évacue du corps en partie. Donc l'idée, c'est de leur faire faire des cures pendant l'été, de les envoyer un petit peu à la campagne et puis de les faire revenir ensuite. Ils effectuent également, ça j'en ai déjà parlé, une aide à la recherche de logement, aide à la recherche d'emploi. Prise de contact avec les communautés de voisinage et d'accueil, donc avec l'organisation des réunions dont je viens de parler. Ensuite, et c'est le dernier point, mais c'est certainement le plus important, en tous les cas celui qu'il va falloir suivre de près, c'est une pression auprès de l'administration pour à la fois obtenir la gratuité des soins partout et pour toutes les classes d'âge, et également une pression pour que tout cela soit légiféré. Donc ces associations sont en train d'écrire des textes de loi qu'ils espèrent pouvoir proposer. Alors une autre conséquence sociale, c'est le taux de divorce qui est absolument explosif. D'une part, à cause de la pression familiale, c'est-à-dire qu'en général, dans les trois quarts des cas, ce n'est pas la famille qui part tout ensemble. C'est la mère qui cherche la mère part avec ses enfants, parce qu'on est tous inquiets du sort de nos enfants, donc c'est ce qu'on cherche à protéger en premier. Et puis le père de famille qui a peur de ne pas retrouver d'emploi reste à Fukushima. Et donc les familles sont totalement disloquées. Et la belle famille donc va reprocher souvent dans certains cas à la femme partant, à l'épouse partante avec les enfants, d'abord d'emporter les petits-enfants et de ne pas soutenir son mari qui continue à travailler. Cette pression familiale fait que ça pousse en général au divorce et ça fait donc, dans les faits, ces femmes se retrouvent donc sans moyen d'existence avec leurs enfants. Et donc le manque de ressources qui est engendré, simplement, même s'ils déménagent ensemble, il y a un manque de ressources qui est net, puisqu'il n'est pas certain qu'ils puissent retrouver un emploi. Et à ce moment-là, certains divorcent parfois pour avoir également les aides de l'État. Les solutions requises aujourd'hui, c'est le droit. Ça fait longtemps qu'on parle en France du droit au logement. J'en ai pas beaucoup entendu parler au Japon, à dire la vérité. Mais aujourd'hui, ce que l'on demande, c'est
le droit de la population à pouvoir choisir, simplement celui-ci, à pouvoir choisir de rester ou de partir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire lutter pour l'institution de loi permettant de pouvoir quitter les lieux. Ça veut dire nécessité de la mise en place d'un système de soins au niveau national et de la mise en place d'un système de soutien matériel et financier tel que le revenu d'existence qui aujourd'hui vraiment prend place si le départ du revenu sur le revenu d'existence était jusqu'alors un peu flottant. Aujourd'hui, il y a vraiment une raison fondamentale de pouvoir réfléchir de nouveau à ce système. Je vous remercie. L'organisation américaine ABCC n'ont pris que la partie plus importante, c'est-à-dire 2 km de l'excentre de l'explosion de la bombe atomique. Et tous les autres, tous ceux qui sont éloignés de plus de 2 km, ils n'ont pas été comptés comme irradiés. Alors que, malgré tout, avec même des récentes recherches faites par des Américains et les Européens, un rapport daté 2007 atteste qu'il y a eu beaucoup de symptômes de première importance de la pathologie due à la radioactivité. Donc, dans ce sens-là, il y a encore beaucoup de chemin à faire reconnaître surtout le problème de faible dose. Et d'emblée, ça, pour la population de Fukushima, ça nous renvoie à l'expérience de Tchernobyl ou à Three Island. Il faut revoir, il faut réétudier le cas similaire, et ces situations-là ne sont pas encore reconnues mondialement, même nationalement, n'est-ce pas? Donc, la bataille pour la reconnaissance de faible dose est long chemin à faire. Il y a quand même beaucoup de tentatives, comme le groupe de Iwata Wataru essaye d'organiser des conférences internationales avec des scientifiques indépendants et des citoyens, et pour contrecaler surtout la manipulation faite par des organisations internationales comme AIUA ou d'autres organisations comme CIPR, essayent de minimiser maximum les pathologies de ce genre faible dose, et que actuellement, il y a juste quelques jours, les 26-27 mars, à Séoul, en Corée, on a eu un grand sommet sur la sécurité du nucléaire, en invitant 53 pays, représentants de 53 pays nucléarisés, et que là-dedans, ce qu'on discute, ce n'est pas l'importance de la vie humaine, mais c'est la sécurité des sites nucléaires, protection de ces sites pour pouvoir encore développer le nucléaire civil et militaire. Donc, dans ce sens-là, nous avons vraiment besoin, surtout comme le gouvernement japonais actuel, M. Noda, n'a pas du tout l'intention de sortir du nucléaire immédiatement, et qu'il plutôt essaye de faire redémarrer, malgré que la prévision montre que d'ici dans un mois à peu près, début de mai, et s'il n'y a pas de redémarrage, tous les réacteurs s'arrêtent. Donc ce gouvernement essaye de faire démarrer une centrale du Nord, Tomali, et puis essayer de normaliser la situation comme si l'accident est terminé, comme Noda a déclaré le 16 décembre à l'arrêt à froid, en disant que ça se calme et puis la situation devient plus normale,
il n'y a pas trop de danger à partir de moins de 100 millisieverts, n'est-ce pas? Donc tout ça, ça a été donc à partir de la norme établie par CIPR. Donc les normes même pour les travailleurs nucléaires, ça a été soulevé à partir de 100 millisieverts jusqu'à 250 millisieverts. C'est-à-dire que c'est la zone de 2 km de l'épicentre de l'explosion de la bombe Hiroshima. Donc, cette organisation mondiale a fait une recommandation il y a 3 ans et il a essayé de surlever encore plus pour les travailleurs nucléaires de 500 à 1000 millisieverts. Donc la tendance, c'est vraiment pour aller encore pour le développement nucléaire, tout en effaçant donc, le problème de faible dose. Voilà, c'est la raison pour laquelle il y a un certain nombre de scientifiques indépendants se mobilisent pour organiser un forum international à Genève au mois de mai, en invitant des scientifiques belarusses et internationaux avec les représentants de Fukushima, et on essaie de discuter ce qu'on peut faire en tant que scientifiques indépendants et des citoyens pour faire reconnaître ce problème. Voilà, donc une fois de plus, je crois que la présence des laboratoires comme CRIRAD, CRMS ou d'autres laboratoires indépendants de mesure citoyenne, c'est vraiment important aujourd'hui. Voilà tout ce que je voulais dire. Donc maintenant, on va échanger avec la salle si vous avez des questions. Merci pour ces exposés et toutes ces informations qui sont très complémentaires et extrêmement intéressantes. J'aurais deux petites questions. C'est d'une part, comment se finance le CRMS, puisque un laboratoire indépendant et j'imagine qu'il n'y a pas de fonds publics. Et puis d'autre part, qu'en est-il des indemnisations? On a entendu que la FEPCO, qui à ma connaissance une entreprise privée, devait être renflouée par l'État, voire nationalisée, pour pouvoir indemniser les Japonais concernés. Or, on a l'impression que rien n'est donné aux personnes concernées, à moins que ce soit ces Pipoc dont vous avez parlé, et ce qui est proprement scandaleux. Le reste, mais est-ce que vous avez des informations? Le budget de CRMS, ça se fait sur les dons. Donc c'est pareil pour les appareils et les mesures. Ce sont les dons. もちろん寄付金だけではずっと続いてはいけないので、それぞれの測定所を自分たちで値段を設定して、外から受け付けて測定を行っていることで、 Évidemment, avec les dons seulement, on ne peut pas continuer à long terme. Donc, chaque centre de cette mesure décide d'un prix. Donc, il y a un tarif décidé selon la politique de chaque centre pour qu'on puisse autofinancer à long terme. これについて詳しいことはちょっと分かりません。 concerne l'indemnisation de FEPCO, je ne peux pas dire. 詳しいことは分かりませんが、十分な保証だとは言えないだろうと。 Mais
bilan que l'indemnisation n'est pas suffisante. Donc il y a une indemnisation proposée actuellement, c'est 800 euros pour ceux qui partent spontanément en dehors du chemin, c'est une seule fois. Et puis pour les femmes enceintes et les enfants, c'est 400 000 yens, donc équivalent à 4 000 euros. Donc c'est une seule fois, c'est compliqué. 封鎖された 20km 圏内については、 土地を買ってテプコに買い上げてもらいたいと考えるもの、戻りたいと思うもの、そして土地を貸すことで継続的に東電からの補償を得るというアイデアがあります。 En ce qui concerne la zone de 20 km autour de la centrale, il y a plusieurs idées. La première, c'est un achat par l'État, par TEPCO, des territoires de la zone de 20 km. Deuxième idée, c'est qu'il y a toujours des gens qui espèrent pouvoir retourner chez eux un jour. Et puis la troisième idée, c'est de louer les territoires à TEPCO afin de récupérer les indemnisations, de l'argent régulièrement, successivement. En fait, pour la nationalisation de TEPCO, ils emploient un terme assez louche. C'est pas vraiment nationalisation, mais c'est un terme étrange. Il s'agit d'expédier, de créer des actions spéciales exprès pour TEPCO pour que l'État les rachète. Ils appellent ça la nationalisation, mais avec un terme. Non, c'est juste par rapport aux indemnisations. En fait, il y avait un reportage sur la NHK où en fait ça prend beaucoup de temps. Il y a énormément de dossiers en souffrance. Alors il y a une sorte de bureau de médiation en fait qui a traité jusqu'à maintenant, je ne sais plus, une dizaine de dossiers. Et en fait, c'est extrêmement lent parce qu'ils savent que les dossiers vont faire jurisprudence. Donc ils essayent de pas trop avoir des conditions trop favorables pour les indemnisations. Il y a eu ce cas qui était assez croquignolet de ce monsieur qui avait une échoppe de nouilles à Fukushima, qui a bougé à Tokyo. Et il n'avait pas d'emploi, donc il a rouvert une échoppe de nouilles, en fait, un restaurant de nouilles. Et pour les indemnisations de la TEPCO, en fait, il y avait son indemnisation moins le chiffre d'affaires de son restaurant, en fait. Le gars dit, attendez, vous me retirez, en fait, je travaille pour gagner la vie, mais vous me retirez, en fait, de mon indemnisation le chiffre d'affaires que je fais, mais vous voulez pas que je travaille ou pas? Bah, le gars disait, il a dit, mais c'est pas possible. Et ils sont en train de renégocier, en fait, si j'ai bien compris, les dossiers prennent du retard parce que TEPCO était en train, enfin, ça date d'un mois ou deux, là, mais ils sont en train de recalculer, en fait, la zone. Ils élargissent la zone de 20-30 km, ils redécoupent, en fait, la carte avec les nouvelles données. Et tant qu'ils n'ont pas fini de faire ce redécoupage, ils refusent de procéder à une révélation des indemnisations. Donc il y a des dossiers en souffrance, ça n'en finit pas, les gens n'en peuvent plus. Avec aussi des maisons sous-évaluées. C'est-à-dire que le gars montrait c'est les photos de sa maison, c'était un truc, qu'il avait fait lui-même en bois, enfin, c'était un truc assez fabuleux. Et la TEPCO avait vraiment sous-évalué, c'était une poignée de... Enfin bon, tout ça, c'est un gros bazar. C'est une stratégie systématique d'atermoiement pour dissuader les gens de demander. Oui,
deux choses, deux questions, s'il vous plaît. Je voudrais savoir comment se fait cette décontamination dont vous avez parlé. Deuxième question, faire des cures de zones dans des zones saines par des enfants. Si on accueille des enfants et qu'on leur fait faire un séjour n'importe où qu'ils soient, dans un lieu sain, quand ils vont revenir, en quelque sorte, ils vont retrouver ce lieu contaminé. Donc, c'est bien d'en accueillir. Nous avions pensé en France en accueillir aussi dans la région de Lyon, Saint-Étienne, et où j'habite. Mais je me suis dit, quand ils vont revenir chez eux, s'ils ne sont pas dans un autre lieu, que vont-ils faire? Ils seront à nouveau dans un lieu contaminé. Alors, par ailleurs, la décontamination dont j'ai parlé, la première question, c'est qu'est-ce que c'est cette décontamination et comment elle se pratique? Parce que je sais comment elle se pratique un petit peu dans la zone où Chirac avait rappelé les essais nucléaires. On envoie des spécialistes là-bas, et je connais une personne, c'est son mari qui est parti, décontaminé, et je lui ai posé une question dans une réunion de famille où j'étais, et j'ai dit, qu'est-ce que c'est la décontamination? Elle me dit, ben, il trie les déchets les plus radioactifs, puis il les emmène dans une autre île. Alors, il y a peut-être d'autres moyens, et je voudrais savoir quels sont ces moyens. Décontamination effectuée publiquement, donc ce sont des subventions d'État qui sont utilisées et envoyées aux entreprises qui s'occupent de la décontamination officielle. Il y a l'autre décontamination, elle est effectuée par des habitants, par leur manière. Et puis, ce deuxième, il y a le gouvernement qui a été forcé, pas forcé, mais les habitants de la ville. もちろん自分たちも子供のいるお父さんお母さんですから自分だけが女性に加わらないということはできません。En fait, il y a un gros problème dans la deuxième décontamination. Ce sont les autorités ou les municipalités qui imposent presque aux habitants de participer à cette décontamination. Comme ce sont des parents qui veulent protéger leurs enfants, ils ne vont pas dire non, mais il y a une ambiance comme quoi on n'a pas tellement le droit de refuser à l'appel de décontamination. まず大きくはこのビジネスとしての除染と、そしてそこに住み続ける限り必要である除染、この2つがあることを、これを分けておきたいと思います。Il faut d'abord savoir que il y a la décontamination pour faire des affaires, la décontamination d'affaires comme un business, et il y a l'autre décontamination qui est la décontamination de survie effectuée par les habitants. 私は除染が解決になるとは決して思いません。しかしそこに住み続ける必要がある限りはやはり必要になっている。この2つは本当に分けて考えてほしい。Je ne pense absolument pas que la décontamination soit la solution, mais pour continuer à vivre dans les zones contaminées, il faut la décontamination. Donc il faut bien faire la différence. あるいは、まあ、枯れ葉であるとか側溝 その落ち葉だとかを取り去るで高圧洗浄を行うこれが一般の住宅あるいはその訓練学校などで行われるメニュー Donc, la manière de la décontamination courante effectuée dans des habitations ou dans les écoles, c'est d'enlever la terre.La surface de terre et enlever également les feuilles mortes à l'aide de l'eau à haute pression.
Et après, c'est tout où elle est canalisée? Elle n'est pas canalisée. Ça fait retomber au sol, en fait, on déplace la contamination. Théoriquement, ça fait des déchets. Mais est-ce que c'est traité comme des déchets? Non, non, non. Ils ont dit 5 cm. 15 cm. Donc, quand il y en a pas de terre, il n'y a pas de déchets. もし帰ってこなければならなかったとしても何週間か被曝を軽減できるならばそれはいいことだと思います。だけど戻ってきなければならない理由を取り省かない限りは根本的な解決にはならない。Des cures des enfants, concernant la cure à court terme des enfants, je pensais peut-être que ça n'a pas de sens si les enfants reviennent ensuite dans leur zone contaminée après la cure, mais personnellement je considère que si ça les évite, si ça évite aux enfants de se faire contaminer ne serait-ce que quelques semaines, ça a un sens, même si il faut revenir ensuite à leur zone contaminés. Par contre, tant qu'on n'a pas enlevé les causes, pourquoi il faut qu'ils retournent dans leur zone contaminée, on n'aura jamais résolu le problème. これをちょっと一つこれに続けてその避難の問題ということで、これはつい最近行われた世論調査なんですけども。C'est un résultat de sondage. Voilà, c'est une enquête d'opinion sur la situation du stress à Fukushima. Mais faites partie. ここで見えるのは、とってもストレスを感じる、ストレスを感じるという方合わせて 80% います。何にも気にしてない人間はほんの数パーセントにしかいません。En fait, si on regroupe les trois parties, ce que nous montre ce graphique, c'est qu'il y a plus de 80% de 90% de la population qui ressent un énorme stress de cette situation. Ceux qui n'en ressentent pas sont vraiment un tout petit nombre. Et ça, la question est, est-ce que vous voulez vous réfugier, est-ce que vous voulez déménager ou non ?全世代に対して行われたこの質問では、イエスと答えた人は 34%。Parmi ceux à qui on a posé la question, il y en a 34% qui ont répondu. これが、子供を持つ親であると、避難したいという方は 51% に上る。Les familles qui ont des enfants à qui on a posé la question, ont répondu oui pour 51%.これは福島に現在住んでいる人たちに問った質問です。Ça, c'est une question que l'on a posée aujourd'hui à des familles qui vivent à Fukushima. ここでイエスと答えている人たちも今でも住んでいます。Les gens qui ont répondu oui, c'est-à-dire ces 51% qui ont répondu oui, vivent encore aujourd'hui à Fukushima. 私はそこに住み続けたいという人たちの権利も守られなければならないと思う。Je pense réellement qu'il faut.Préserver le droit des personnes à choisir. Mais je pense aussi qu'il faut absolument pouvoir donner la possibilité à ceux qui veulent partir de pouvoir le faire en leur donnant une sécurité financière.今月の初めに2人の CRMS のメンバーが避難をしました。Ce mois-ci, il y a deux personnes de notre association du CRMS qui se sont réfugiées. 彼女らは母親で受付をスタートの頃から手伝ってくれてた方たちです。
Toutes les deux étaient mères de famille et elles nous ont toutes les deux aidées depuis le début de l'activité du CRMS. 彼らと Facebook やメールなどでやり取りは続きますが、avec elle, on continue bien sûr les échanges sur Facebook. 友達を残してきたことや自分の親、そして旦那さんは、まあ、福島で働いていたりするんですけども、それに対する罪悪感がとてもすごいんです。elles ont laissé leur, leurs amis, leur mari, leur famille, et en fait, elles ne...C'est très très difficile à supporter cette situation d'être parti et d'avoir laissé toutes les personnes qu'on aimait sur place. 逃げるというのは簡単です。だけど、あとはどのような条件を整えるか、それを今年に入って様々な条例や法整備を通じて、行っていく必要があるだろうと考えています。C'est facile de fuir et cette année il faut absolument qu'on puisse prendre les mesures législatives de...de s'occuper de ces personnes qui veulent partir. ここ1年間は、癌死が何パーセント増えるかということだけで、さまざまなものが決められたり、さまざまなものを考えてきたりしたわけです、人々は。Pendant un an, tout le monde a réfléchi, basé sur la question de combien de personnes vont mourir de cancer.C'était la seule question qui a été posée. しかし人間の性の質はがんになるかならないかだけではないのは当然皆さんがご存知の通りです。そしてそれは福島の人々にとっても同じです。Dans la vie humaine, comme vous savez très bien, il ne s'agit pas seulement de savoir si on devient un cancer ou pas. On aura un cancer ou pas. Et c'est exactement pareil pour toutes les personnes qui vivent encore dans la planète.Yes, Sumi-san. Thank you very much for everything that you're doing. I've been following you for a year with Bruno-san and Kiral. I have the greatest respect for you. You're an amazing man. I know you wanted to be a musician, and you still are a musician, but I want to know, since you are seeing so many people in Fukushima City, there's a lot of children coming in to see you and to get... whole body counters, and I really want to know how bad is it. Do you see an increase maybe in cesium? Do you see them getting sicker? What's your analysis on on how bad it's getting or it is actually? You need a translation? La question, donc il y a eu une première partie de message de félicitations de l'action de Ouattara. La deuxième partie, c'est la question par rapport au contrôle qu'ils effectuent avec le whole body counter, l'appareil qui mesure la contamination interne. Quels sont un peu les résultats de ces mesures? Whole body counter による、まあ、10月1日から始めて3000人ほどを、測定しています。Avec le whole body counter, nous avons commencé à prendre des mesures à partir du 1er octobre et nous avons pris les mesures de 3000 corps, 3000 personnes. で、まず最初に頭に置いておいてほしいのは、私たちのところに自分でかかってくれと来る人たちは、当然放射能のことを気をつけている方です。Il faut se dire d'abord que ceux qui viennent chez nous prennent les mesures de.La contamination interne, ce sont déjà des personnes qui font attention à la radioactivité ou la contamination. そして、10月1日から始めたんですけども、当然小さい子どもたちは、代謝が早いので、ほとんど最初の爆発の影響というのは見られなかったと言っていいと思います。もうすでに遅いということですね。En fait, comme les petits-enfants, ils ont la circulation qui est très active, qu'ils n'ont pas la première, les effets, les influences de la première explosion, l'explosion des premiers jours. Ce qu'ils disent, c'est que comme les petits-enfants ont un métabolisme très actif,
Donc la contamination en césium qu'ils ont subie pendant les premières semaines après la catastrophe n'est pas forcément visible aujourd'hui. Il y a d'autres questions ? Bonjour, donc, tout d'abord, et merci pour cette conférence. Alors, ma question va se porter notamment sur les actions qui sont menées en ce moment par le gouvernement japonais concernant l'incinération des débris, parce que c'est quelque chose dont on n'a pas parlé. Et c'est un sujet qui me paraît être capital, notamment parce que on disperse volontairement de la radioactivité dans des zones qui sont apparemment un peu plus saines. Et donc, tout à l'heure, vous aviez donc parlé de décontamination, on a eu ces questions. Et il me semblait donc être dans une situation totalement absurde où les Japonais sont actuellement face à ce mouvement donc, de décontamination, mais à la fois, donc, il y a cette volonté massive d'incinérer ces débris qui vont voler dans les airs. Qu'en pensez-vous ? Pour l'information, actuellement, il y a 230 000 tonnes de gravats qui restent, et puis la majorité, ils sont contaminés. Donc, cette contamination est considérée comme presque déchet de faible dose, faible activité, et qui doit être complètement administrée, gérée par une organisation publique. Si c'est le cas en France, ce serait géré par l'INDRA, par exemple. Donc, ce n'est pas des déchets ordinaires. Quoi. Donc, c'est vraiment important de faire connaître cette information sur le niveau radioactif des gravats. Mais pour l'instant, la majorité des communes et des départements refusent de les traiter. Il n'y a qu'actuellement 26% qui sont acceptés. Et, sur quels critères ? Et simplement, le gouvernement recommande à tous les départements de les traiter, mais jusqu'à présent, il y a très peu qui ont accepté. Il y a des grandes villes comme Osaka, le maire de Kyoto aussi dernièrement qui avait accepté d'incinérer les débris. Et donc, il y avait l'éminent professeur Koide Hiroaki qui avait donc parlé sur une radio locale à Osaka, donc le Tamimaki Journal, et qui justement déclarait ces derniers temps de la dangerosité de ces potentielles émissions de poussière radioactive, parce que justement, on avait expérimenté pour le moment. Et donc, cette possibilité que les habitants puissent respirer cette poussière, donc dans quelle mesure est-ce qu'à partir du moment où ces incinérations vont être faites, dans quelle mesure est-ce que ces particules en fait vont infiltrer le corps, à quel niveau est-ce que les habitants vont être contaminés, et c'est ça en fait qui est extrêmement perturbant. Et donc finalement ce n'est plus seulement une question de contamination de Fukushima, mais c'est une contamination qui est actuellement très inquiétante dans tout le Japon. Comment est-ce que vous évaluez ces possibles contaminations internes en fait, par voie respiratoire et aussi par contamination interne des aliments ? Oui, je pense qu'effectivement, la contamination sera générée. もともと100ベクレル、キロあたり100ベクレルというのが、その放射性物質として、廃棄物として、それ以上であれば廃棄物として扱われる基準のレベルでした。Donc là, il y avait une norme pour considérer que ce sont des déchets nucléaires. C'est au-delà de, à partir de 100 becquerels par kilo. 昨年の8月に環境省はこれを8000ベクレルキロあたりに引き上げました。Et l'an dernier, le ministère de l'Environnement a soulevé cette norme de 100 becquerels par kilo jusqu'au 8000.これは子供たちに対する。子
子どもたちに対する占領を20ミリシーベルトに引き上げたのと同じように、国はどんどん法律を破って、こうして、まあ、対策を取れるような状態を作ってきて、県内に入ることを閉ざされた、Restricted Area に、中間処理施設を作るというアイデアもあります。Il y a aussi une idée de construire un centre de dépôt provisoire dans la zone de restriction. Ils ont fixé la limite donc, de 40 ans donc, de ce centre provisoire. Et c'est le, ce sont des sous-filières de TEPCO qui s'occupent des opérations sur place. それでこの40年間という期限ですけども、まずこの爆発を起こした福島原子力発電所の最初のこれを作ったとき、これは40年で廃炉にするはずだったということを思い出してください。Quand on parle de ces 40 ans limite, il faut aussi se rappeler que lorsque la centrale de Fukushima a été construite, on s'était dit que cette centrale-là allait être démantelée au bout de 40 ans. Fukushima の人たちの懸念は、この40年というリミットを過ぎても永遠に受け継ぎ続ける世界の核廃棄物の最終処分場になるのではないかと恐れていて反対している方たちも多くいます。Donc les soucis des personnes de Fukushima, c'est de savoir si ce centre de dépôt provisoire n'allait pas devenir un centre de dépôt définitif et que, qu'on allait finalement devoir accueillir tous les déchets du monde entier. Je complète juste sur un point. Sur le volet théorique de votre question, bien sûr, si on incinère des matières radioactives ou contaminées par d'autres substances, tout dépend de la qualité des systèmes de filtration qui vont être mis en place. Donc après, c'est vraiment une question technique et financière, quels vont être les moyens pour filtrer ces effluents gazeux. Et donc là aussi, il faut que les populations puissent avoir des moyens de contrôle pour vérifier la radioactivité dans l'environnement de ces incinérateurs, que ce soit le taux de radiation ambiant, que ce soit l'accumulation, par exemple, sur les sols ou sur des bioindicateurs atmosphériques comme des lichens. Et je voulais en profiter pour dire quelque chose qui n'a pas été rappelé, c'est qu'aujourd'hui, en ce moment, la centrale de Fukushima... Can you show the discharge now on Fukushima? La centrale de Fukushima continue à rejeter la radioactivité depuis le début. Donc il y a la contamination de l'air par dispersion si on déplace les déchets qu'on les incinère un peu partout. Mais il faut aussi rappeler que la centrale continue à rejeter des becquerels. Et donc les chiffres que nous a apportés Wataru, qui viennent de l'évaluation officielle de TEPCO, c'est au 29 janvier 2012, des rejets de 72 millions de becquerels par heure en césium. Et au 27 février 2012, par exemple, 10 millions de becquerels par heure. Donc ça, il faut insister dessus. La centrale de Fukushima, non seulement elle n'est pas dans une situation sûre, il y a des grosses inquiétudes sur, par exemple, la fragilité des piscines qui contiennent le combustible usé, mais en plus, elle rejette des substances radioactives de façon permanente. Mais vous avez mesuré, en fait, lorsque vous étiez à Narita, vous aviez dit tout à l'heure, quels sont les radioisotopes que vous avez retrouvés? Parce que en suivant en fait un peu aussi les analyses et déclarations des scientifiques indépendants comme Arne Gunderson, Chris Busby, le professeur Karl Toffen, ils ont retrouvé de l'américium, de l'uranium et du neptunium à Tokyo en fait ces derniers temps. Et donc c'est vrai que c'est tout un tas de questions que l'on est supposé se poser. Donc par rapport à cette question des rejets d'uranium, d'américium ou de neptunium, donc Wataru n'a pas d'informations précises là-dessus. Alors en ce qui concerne le plutonium, il y a une publication scientifique
faite par des chercheurs japonais qui a été rendue publique il y a quelques semaines, selon laquelle, à partir d'analyses dans le sol, ils indiquent effectivement qu'il y a des taux de plutonium 241 qui sont anormaux. Il y a une contamination par le plutonium 241 dans les environs 20-30 km de la centrale de Fukushima. Et le plutonium 241 se désintègre en fabriquant de l'américium 241. Donc ça, c'est bien établi dans les environs de la centrale de Fukushima. Après, à plus grande distance, par exemple à Tokyo, en ce qui concerne l'uranium, l'américium et le neptunium, Wataru n'a pas de données particulières. Je complète, on a prélevé des échantillons peu nombreux à Tokyo, à la Kurale, on a fait des analyses préliminaires qui ne peuvent pas forcément voir toutes les substances radioactives, mais on n'a pas détecté dans cet échantillon-là, dans un parc de Tokyo, de contamination mesurable, en tout cas par l'américium par exemple. Mais après, là, on rentre dans des niveaux de recherche d'éléments radioactifs qui demandent beaucoup de moyens, qui vont demander du temps pour bien documenter toutes ces questions. Maintenant, il faut bien penser que rien que déjà les données bien établies sur la présence d'iode radioactif à l'époque de césium 137-134 aujourd'hui, c'est déjà des données qui doivent nous interpeller. La question après d'autres isotopes rajoute un problème supplémentaire à étudier. Et il y a déjà ces éléments qu'il faut prendre en compte. Maintenant, Wataru va compléter sur la question d'un autre élément radioactif, le strontium. The research is made done by the center, research center of industry and technology of Tokyo. Donc ce sont des mesures du centre de recherche et de technologie de Tokyo. So the March 15th at 12 o'clock at night in the morning to 7 o'clock in the morning. So in those 7 hours, aerosol measurements. Strontium 89 and strontium 90 was published, those data was published in this January. Donc ce sont des mesures qui ont des échantillonnages de la radioactivité des poussières atmosphériques faites à Tokyo pendant quelques heures dans la journée du 15 mars qui ont été rendues publiques. When was it published in January this year. Qui ont été rendues publiques au mois de janvier de cette année. Il s'agit de deux isotopes, le strontium 89 et le strontium 90. December. Donc ça a été publié en décembre de l'année dernière. And the strontium 89 was 0.02 becquerel per square meter. Cubic meter. Donc le niveau de strontium 89 était 0,020 becquerel par mètre cube. And strontium 90 was 0.0022 becquerel per cubic meter. Et pour le strontium 90, 0,2022 becquerel par mètre cube. This is on top. Okay, donc en résumé, donc il y a bien eu effectivement, outre l'iode, le césium, détection d'une contamination par d'autres isotopes émetteurs bêta, en l'occurrence le strontium 90 par exemple. Mais l'État japonais, j'ai l'impression qu'il taise en fait tout ce qui est autre isotope que le césium ou le strontium, en fait, justement, que tout ce qui concerne notamment plutonium, ils essayent de ne jamais en parler. Well, I think they are waiting for plutonium 240 as a half-life of very short half-life. The idea is that your opinion. Your opinion also to
C'est que peut-être pour un certain nombre d'éléments radioactifs, que le temps passe pour qu'ils disparaissent. Par exemple, le 241 qui a une période de 14 ans, ou dans le cas du strontium, un des deux isotopes a une période relativement courte par rapport à l'autre. Donc c'est peut-être la volonté d'attendre un peu que ça se passe. Les 14 ans, c'est long. Mais, ouais. Mon point de vue personnel, hein, je pense qu'il y a aussi un problème vraiment métrologique. C'est très difficile de mesurer le plutonium, ça demande des moyens très lourds, et donc ça va prendre plus de temps pour que des gens dépensent l'énergie, les moyens pour avoir des mesures fiables, des dépôts de plutonium un peu partout. Et par rapport à la question du plutonium, les émetteurs alpha du plutonium, les mesures de sol qui ont été faites autour d'Itate par des universitaires japonais ne montrent pas une contamination importante. Plutôt par un émetteur bêta du plutonium qui s'appelle plutonium-241. Bon, on va arrêter cette discussion sur cet émetteur, c'est une très bonne question. Il faut avoir plus de données pointues et nombreuses pour vraiment répondre à cette question. Many scientists was showed on a TV after the accident that they said plutonium is very heavy, so it doesn't spread around. Donc, il a vu beaucoup de scientifiques à la télévision disant que le plutonium étant lourd, il ne va pas se propager loin. The same scientists come show up on the TV after the plutonium was found, but he said it's with the sand from China because of the nuclear testing. Mm-hmm. Et les mêmes scientifiques ont dit quelques temps après que si du plutonium était détecté, il pouvait venir des sables chinois du fait des essais nucléaires. Donc c'est contradictoire comme réponse. In here, one more strange discourse has been made in a strontium or plutonium case. What I mean is, they say it's not from Fukushima when it was found. So which means if the substances are not from Fukushima, it doesn't harm you. Donc par rapport à la question de l'interprétation de la détection de contamination par du plutonium ou du strontium, un discours qui a été souvent tenu, c'est ça ne vient pas de Fukushima. Mais la remarque, c'est mais que ça vienne de Fukushima ou pas, c'est dangereux pour la santé. Anyway, we have less information about those radionuclides. Et bon, c'est vrai qu'on a assez peu d'informations sur ces éléments radioactifs, strontium, plutonium. So what we know is those are much lower than Chernobyl. Et ce qu'on sait, c'est que les quantités, le niveau de contamination en strontium et en plutonium dû à Fukushima est beaucoup plus faible que celui qui a été imputable à Tchernobyl. Bon, le temps se presse. La dernière question. La dernière question. M. de la Kirel a évoqué toute contamination de Fukushima City en début de conférence qui sont très importants par rapport aux informations habituellement évoquées. J'aurais aimé connaître la situation sur Tokyo, que Tokyo est encore une ville habitable ou c'est des taux de contamination comparables à Fukushima City. Dans quelle mesure Tokyo est contaminé? On va s'arrêter parce que la réponse, tu veux répondre? I don't really have much information about Tokyo. Ok, donc Wataru Iwata n'a pas d'information de première main sur la situation à Tokyo. Je vais vous répondre. Bon, moi, ce que je peux répondre à mon niveau, c'est simplement que si vous regardez les cartes officielles
des retombées de césium sur Tokyo, qui sont publiques, qui sont publiées par les états japonais. Il y a effectivement, dans ça, Tokyo n'a pas été épargné par les retombées, évidemment. Donc ça dépend dans quelle partie on est de ce qu'on appelle Tokyo, parce que c'est très grand. Donc il y a des secteurs, quand on va vers Chiba ou quand on va plus vers l'ouest, qui ont des niveaux de contamination qui ne sont pas négligeables. Maintenant, dans la ville de Tokyo, c'est correspondant des mesures qu'on a tenues quand on y était à la fin du juin 2011. Effectivement, on sent avec un compteur GGR, à certains endroits, si vous approchez dans un parc au pied d'un arbre, là où ça s'est accumulé par le ruissellement sur le tronc, on sent des petits points chauds. On sent, si vous cherchez dans des fossés, des zones d'accumulation, vous voyez bien qu'il y a eu une contamination. Maintenant, en termes d'irradiation externe, on est quand même dans des niveaux qui sont très faibles, alors qui ne sont pas négligeables, mais qui sont faibles. Exemple, les mesures qu'on a faites dans un parc de Tokyo en mai-juin 2011 montraient un taux de radiation, disons, deux fois supérieur au niveau naturel de Tokyo. Ça veut dire que si vous restiez 10 000 heures toute l'année planté sur ce parc à cet endroit, eh bien, vous pouvez avoir à la fin de l'année une dose qui pourrait dépasser la dose maximale avec la densité particulière, comme on est quand même sur des surfaces, beaucoup de surfaces qui sont lavées, où la pluie ruisselle. À Tokyo, il y a peu d'endroits où ça stagne dans la terre. Ce sont des surfaces goudronnées, et là, du coup, c'est vrai que ça se lessive un peu. Donc c'est une question qui est très difficile. On ne peut pas dire aux gens à Tokyo qu'il n'y a aucune radioactivité, ça ne serait pas vrai. Maintenant, il faut bien relativiser la situation de Tokyo par rapport à d'autres endroits. Est-ce que vous êtes simplement boire de l'eau qui est forcément contaminée par le ruissellement, d'ingérer de l'eau, de l'eau potable, de l'eau du robinet. Elle est très courte, mais c'est une question que j'avais honte de poser. Mais je ne voulais pas qu'on croie que c'est un manque de respect, mais vous avez commencé à y répondre tout à l'heure. En naviguant sur Internet, il y a beaucoup de bruit qui court, comme quoi il y aurait une transaction avec les États-Unis et le gouvernement japonais pour les aider à évacuer, mais en contrepartie, pouvoir faire du Japon la poubelle du nucléaire. Alors, est-ce que c'est vrai? Je préférerais que vous me disiez non tout de suite, la question serait courte. Ça tourne beaucoup sur le net en ce moment. Ben oui, mais justement. Donc les meilleurs qui peuvent y répondre, ce sont ceux qui y sont. Ça a été évoqué plus ou moins tout à l'heure, hein, sur certaines zones, donc je préférerais qu'on me dise non. Parce que c'est pas possible, parce que eux, ils voulaient... moi, l'autre source que j'avais, c'était qu'il y a quelques années, Je fais une petite annonce rapidement, il y a un bouquin qui sort la semaine prochaine.
原因は分かっていますが、分からせたくないという勢力もいるんです。その時のコンセプトは、被害をできるだけ小さくして、そしてほとぼりを早めに冷まして、また原発推進に持っていこうというのがコンセプトだと思います。でもマスコミでは報道されない。ダメならあれもダメ、あっちもダメだ、こっちもダメだらけで、私たちホームレスなのよ。 I saw the first explosion at the power plant and thought this is not good. え、現場、この起きている現場に直接、まあ、政府のオフィシャルたちが入らなきゃいけなかった。政府は国民の命よりも原発の利権を優先しています。 In February of 2011, you applied for a 10-year extension for that reactor after several noted accidents. If government thought that measurement is sufficient for every risks regarding the nuclear power.発災当初、3月11日当初、世界からいろんな占領機が日本の国に届きました。倉庫に、税関の倉庫に留め置かれて、こちらには来ませんでした。 That unit 4, it was built for maybe 400 fuel rods. That 1,500 stuck in there. もっとみんなの、こういう生活してる、みんなの声を、一番下にいる一番苦しい人の言葉をもっと聞いてほしい。The real victim here are children, I think. They have done nothing wrong. ところが、日本人である私たちは、一市民である私たちは、捨て置かれたということは、一体私はどのように私は日本人というプライドを持てばいい？でも実際のところ、今もう日本ってさ、どこが安全かなんて分かんないじゃん。もう日本を救うには、福島の子供を救うには、国際世論しかないと思う。